Et voilà. Incroyable. Wouhou. Du coup, bonsoir le stream, on joue à Pathfinder, tout ça, tout ça. Ah bon, la merde. Ah qu'est-ce que je fous là? Je pensais qu'on jouait à Shadowrun ce soir, merde. Oui, d'ailleurs, Shadowrun, c'est quand? Maintenant que je l'ai figuré. Ah non. Tout salut, bien. Trou du cul. Ah, oh, putain. Mais... Est-ce que tu te souviens, Geoff, comment on popote le chat sur Twitch? Si je peux l'avoir de côté, mais sans... J'en ai aucune idée. Bon, c'est pas grave. T'as cru que j'étais un streamer ou quoi? Non, j'en ai aucune idée. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, du coup, petit résumé très rapide que j'ai pas du tout préparé des sessions précédentes. Vous êtes tombé à un moment sur... après avoir défendu le village qui se faisait attaquer par un raid, par un culte, etc. Vous êtes tombé sur une archéologue qui vous a demandé de l'aide pour aller explorer un temple. Vous l'avez suivi, Tristan, tout à fait. Vous l'avez suivi, vous êtes allé au temple avec elle. Je peux mettre peut-être la carte du monde, juste pour avoir un petit rappel. Valnonta. Ouais. Donc vous étiez parti d'ici, vous êtes arrivé jusqu'au temple ici. Dans le temple, vous êtes tombé sur beaucoup de créatures étranges, notamment des morts-vivants et des Ezobok, je crois que ça s'appelait. Non, c'était... Il y avait autre chose. Des psychopompes, voilà. Des psychopompes, ouais. Des psychopompes qui sont des comment dire, des gardiens de Pharasma, qui est la déesse anti-mort-vivant. Donc vous êtes tombé sur un temple qui était rempli de mort-vivants et de créatures anti-mort-vivantes. Vous avez trouvé un elfe dans une prison qui s'est avéré être un mort-vivant qui n'en était pas tout à fait conscient, qui vous a expliqué un peu l'histoire de ce temple, qui était un temple qui prônait la nécromancie à des fins non maléfiques. Académiques. Voilà. C'est ça, c'est la nécromancie pour à des fins académiques. Quand ils ont été attaqués par les défenseurs de Pharasma, qui ont en gros exterminé tout le monde et scellé le temple. Vous l'avez laissé dans sa prison en attendant d'explorer le reste. Vous avez continué d'avancer et vous êtes tombé. Je vais me mettre la carte du temple d'ailleurs. Vous êtes tombé dans la dernière salle sur une liche que vous avez terrassée. Au moment où vous l'avez tué, il y a un psychopompe qui vous a adressé la parole, qui ressemblait à une espèce de gros escargot humanoïde, pour vous expliquer que la créature que vous avez tuée, c'était une liche, et que du coup, la tuer permettait seulement de la libérer de sa prison actuelle, puisqu'une liche a son âme qui est liée à un phylactère, un horcrux en gros, et que quand vous la tuez, son corps va juste être reconstruit au niveau de son phylactère. Mais comme personne ne sait où est son phylactère. Je te déteste, Edouard. C'est parce que tout le monde a l'air parler de Voldemort. Mais c'est parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Voldemort dans la partie. Mais non, Oui, Voldemort, c'est pas ce que tu dis. Du coup, sachant que personne ne sait où était son phylactère, la créature était gardée... en prison, en fait, histoire qu'elle puisse pas se régénérer, et en la tuant, vous l'avez libérée. Du coup, le gros escargot était très pas content, vous a tiré les bretelles, et il a exterminé le prêtre qui était toujours dans sa cellule. Vous avez tenté de le convaincre de le laisser en vie, mais c'était sans espoir, et vous avez préféré pas vous mêler trop, vous interférer à une guerre entre deux différentes religions. C'est à peu près tout ce qui s'est passé. La dernière chose qui vous restait à explorer dans ce temple, c'est dans cette salle-là, ici. La bibliothèque des contrats. Alors, je sais pas si t'as ping, mais on n'a pas vu. Non, j'essaye de ping. À côté de la statue voilà, ici. Non, de ce côté-là, en bas, il y avait un... Près de la statue. Non, près de la statue, il n'y avait rien du tout. Mais plus bas, il y avait un tunnel que vous n'avez pas exploré. Et ah oui, c'est vrai. À ce niveau-là, vous aviez entendu des voix. Est-ce que... Je sais plus comment on fait le ping. Le ping qui zoom. Le ping qui zoom. Le ping pour déplacer la caméra. Snap to center, non.
Je n'en ai pas, mais il y a un truc. Il y a shortcut référence. Switch and. Attends. Je crois que j'ai. C'est Shift et clic. Shift clic. Ah voilà, ok. Nickel. Enokiro, ouais, j'ai essayé ça, mais ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Mais t'en fais pas, c'est pas très grave. Ok. Du coup, vous aviez tué la liche, vous aviez récupéré son loot. Et la créature, le psychopompe qui vous avait engueulé, s'est téléporté et a disparu. Et vous en étiez là. C'est ballot. Pour rappel, vous étiez venu ici donc pour aider Tristan qui voulait en gros explorer le temple, qui voulait partager les ressources qu'il y avait à l'intérieur et aussi tenter d'en faire un lieu de pèlerinage, etc. et d'en tirer du profit d'une manière ou d'une autre. Quel était le deal qu'on avait avec elle au fait ? Alors, elle vous laissait prendre tous les objets magiques dont vous aviez besoin et en gros tout ce dont vous n'aviez pas besoin, elle le récupérait pour le vendre. Tout ce dont on ne voulait pas. Ouais, tout ce dont vous ne vouliez pas, elle le récupère pour le vendre et vous partagez les bénéfices, je crois 40% pour elle et 60% pour vous, quelque chose comme ça. Non, je crois que c'était l'inverse. C'est dommage, on veut tout. En gros, l'échange, c'est qu'elle, elle vous donnait la direction de ce temple qui était potentiellement plein d'objets magiques et en échange elle récupérait ce que vous récupérez pas et le temple en lui-même. Ed, juste une parenthèse, il y a ton pote qui a envoyé les instructions pour le chat si tu veux. Ouais, je sais, c'est ce que je disais, mais je le vois pas chez moi, ça marche pas. Mais attends, il m'a envoyé un message privé. Mais il t'a envoyé le lien je crois pour le chat. Ah, qu'est-ce que ouais. C'est pour que je puisse suivre le chat. Ah ouais, ça marche, merci beaucoup Nokia. Voilà, merci. Ok. Est-ce que vous comptez explorer la dernière salle du coup ? Bah, on aimerait bien, oui, mais il n'y a pas d'accès en fait. What? Il y avait un tunnel. Il y avait un tunnel, on l'avait pas pris parce que c'était pas effondré, c'était pas genre un truc dans le sol et tout, c'était un peu. C'est ça, ouais. Vous pouviez vous y faufiler sans trop de difficultés, mais vous avez décidé de pas le faire. Okay. Dans l'immédiat. Moi, j'aimerais bien qu'on se repose un peu avant d'explorer ça parce que on est tous en. Non, c'est mauvais état. Non, moi je suis très bien. Je peux t'aider à reprendre un peu de force si tu veux, Crimson. J'ai les notions. J'ai les notions de first aid. Oh putain, bon, de heal. Moi aussi d'ailleurs. Je bois une potion de soin d'ailleurs qui me servira à rien, mais je la bois. En fixant des yeux. Non, je rigole. Mais ouais, comment si tu as besoin, je peux essayer de. Les premiers soins, c'est pour. Les premiers soins, c'est que pour. Pour éviter de saigner, continuer l'enseignement et tout ça, ça soigne. Il y a pas mal de choses ça. Que tu peux faire. Tu peux soigner des blessures une fois par jour. Tu peux soigner des blessures récentes pour regagner des points de vie. Tu peux t'occuper de quelqu'un qui est en mauvais état pendant toute une nuit, en gros, pour lui faire regagner un peu plus de points de vie, ce genre de choses. Mais tu peux pas, tu vas pas pouvoir claquer des doigts et faire regagner 10 points de vie à quelqu'un comme un soin magique. Quoi. Oh. J'avais ouais, trop. Il y a que les magiciens qui peuvent faire ça. Boum. Mais ouais, en effet, vous. Ma blague, elle est magique. Hein. Attends. Ed, j'ai juste un doute. On m'avait pas rajouté un don ou un trait. Un don, non. Tu avais débloqué des sorts et un. Enfin, ah, les sorts, d'accord. Et je crois ouais. Que. Ah oui, dans spell, d'accord. Et tu peux pas lancer de sort encore. Si, il peut. Si. Ils ont 0 sort au niveau 4 par jour, les Rangers. Ouais, mais. À moins d'avoir une grosse Wisdom. Il a 12 de Wisdom, ça suffit à lui mettre un plus 1. D'ailleurs, on a oublié de mettre mon sort dedans. Un plus un sort par jour, non ? Il me semblait que si, mais attends, je peux aller vérifier. Et ouais, c'est vrai qu'on l'a pas mis. Moi, dans les gales, je te disais de prendre. Non, pardon. Je me trompe. Toujours, Guillaume. Toujours. Faut que t'arrêtes de penser que t'as raison des fois. Hein. Insupportable. Et ouais, non, dès que t'as 12, t'as que un sort de niveau 1 bonus, je crois, mais t'as un sort de niveau 1. Du coup, Drax, tu as un sort de niveau 1 que tu pensais. Et je crois qu'on avait décidé. Enfin, moi, je t'avais conseillé le Hurricane Bow, en sachant que de toute façon, en tant que. Hurricane Bow Ranger,
Hurricane Bow. C'est Gravity Bow. Ah, Gravity Bow, oui, voilà. C'était ça, le Gravity Bow. C'était celui-là, je suis. Voilà, je te l'ai ajouté. Ok. Tu peux le lancer une fois par jour, en sachant que en tant que ranger, tu peux choisir tous les jours quel sort tu veux lancer. Faut juste que le matin, en gros, tu prépares tes sorts, mais c'est pour ça que je me permets de te le mettre, parce que tu peux toujours... C'est pour ça. Par contre, tu as besoin de préparer tes sorts le matin, du coup, en effet, si vous dormez pas prochainement, tant que vous dormez pas, t'auras pas accès à ça. Par défaut, on dirait que j'ai le Gravity Bow, d'accord. Pour les fois où j'oublie. C'est ça. C'est ça. Non, bah, c'est un peu l'idée, hein, si tu t'en as un peu pour défaut, et si tu me dis que tu prends autre chose, soit... Le truc, c'est que moi j'ai claqué tous mes sorts, là. Ouais, avec Marion aussi. Raximé, ça prend encore ses sorts. Et tout le monde est assez blessé. Donc je propose qu'avant qu'on aille dans la salle inconnue où il pourrait encore y avoir des trucs qui essayent de nous manger... Leroy ! On se repose un peu. Est-ce qu'on sort du temple et on va récupérer Murphy et on se pose dans la forêt, ou on campe dans le temple ? Maintenant qu'on a tout vidé. En sachant qu'à l'extérieur du temple, il y a Sarah et Tristan qui vous attendent. Pas qui vous attendent, qui... Sarah, l'orque barbare. Ah oui. Et on peut pas genre sortir dès qu'on a fini, et après on retourne et on va fouiller la pièce. C'est vous qui dites. Attends, je répète. Non, comme ça on arnaque Tristan. What? Non, mais ce que je propose, c'est qu'on sort, on va récupérer nos rations, nos tentes et trucs comme ça. On amène Murphy ici. On va se reposer dans une des pièces, par exemple là, ou comme ça. Là où il y a des cadavres. Dans les cellules. Il y a déjà des lits tout faits. Des cadavres, avec, mais oui. Il n'y a pas de lit dans les cellules. Hein. C'est des cellules de genre 2 mètres sur 2 avec juste des chaînes et. Ah, le confort parisien. Mais on se repose, on récupère un peu de vie, on récupère nos sorts, on récupère ce qu'il nous faut. Et ensuite, s'il y a encore un psychopompe ou une cochonnerie là-bas, on va faire les bombeurs de robots qu'on est. Je vois pas pourquoi vous voulez pas juste y aller maintenant, mais soit. J'aime pas comment t'as dit ça. Parce que prudence, c'est mère de sûreté. Je connais ni prudence ni sûreté. Leroy Jenkins. Moi, c'est ce que je propose. Ok. Ouais, moi aussi, je suis d'accord, on sort. Vous mettez en direction de l'extérieur du temple. Comme j'avais décrit la dernière fois, il y a toujours une ambiance un peu oppressante et malfaisante dans ce temple. Vous avez l'impression d'être observé par moments, mais c'est beaucoup moins pesant et beaucoup moins puissant qu'il y a quelques heures encore. Vous avez l'impression que terrasser la liche a levé au moins une partie de ce qui se passait à l'intérieur. Julien, il y a quelqu'un qui envoie des messages sur le... Julien. Et Julien qui dit, elle est mignonne la miss là, t'as un 06. Il parle de qui ? Sérieux là, c'est que j'ai lu le message, j'ai fait, c'est qui ce gros beauf ? j'ai dit, c'est le super gros beauf. Bah oui, c'est Julien. C'est the gros beauf, of course. Il est où le lien Twitch que vous avez ? C'est juste celui de Bibou. Je vais l'envoyer sur le Twitch. Tu as le lien du chat directement là, si tu veux, comme ça, regarder juste le chat sans avoir le stream complet. Ok, donc vous vous mettez en route vers l'extérieur, et à l'extérieur, sans faute, il y a Tristan qui vous attend. Vous remarquez Sarah qui est assise, à moitié allongée à côté d'elle. Tristan lui a installé un lit assez basique. Elle a l'air fiévreuse, mais elle est toujours consciente. Elle n'a pas l'air en danger de mort, mais elle a l'air dans un sale état. Pour rappel, elle avait été mordue par une goule, et vous savez que ça peut propager des maladies et des saloperies. On l'ampute ! L'ampute du coup. Oui. Ouch. Oh, merci pour elle. Si ça marche pas, on ampute le tronc et on continue. Tristan vous arrivez et s'approche de vous et fait qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez des bonnes nouvelles, j'espère ?
Définissez les bonnes nouvelles. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Est-ce que vous avez pu nettoyer le temple? Oui. On n'a pas fini. Ah, d'accord. Et du coup, vous comptez retourner demain, c'est ça là? J'imagine qu'il se fait tard maintenant, j'imagine que vous voulez vous reposer. Je suppose qu'elle voit qu'on est un petit peu en mal en point. Non, moi je suis en pleine forme. J'attendais, il y a Arraj qui a encore du sang séché partout sur la bouche et qui coule de son cuir chevelu. Te vois-toi qu'elle est épuisée. Oui, c'est peut-être mieux en effet. Elle fait, est-ce que ça se passe bien jusque-là? Nickel! On n'est pas mort. On n'est pas mort. Master c'est... Spirit. C'est une bonne façon de voir les choses. En fait. Est-ce que vous voulez sans le narrer complètement en termes de roleplay, est-ce que vous voulez lui raconter ce qui s'est passé jusque là ou vous gardez ça pour vous pour l'instant? Je suis d'avis de lui dire il y a des morts vivants. Juste ça, tu veux pas lui dire le coup de la. Du mec qui est dans la cellule et compagnie. Pas particulièrement. De toute façon, il est sûrement mort, lui. Oh non, mais il est mort, il a été tué par... Il est plus vivant. Ah, il a été même pas été tué, il a été exterminé. On n'était pas là, on sait pas. Ça se trouve, il était armé, il a tué le gastropode et c'est fini, quoi. On a juste entendu des bruits... Alors, j'aimerais juste. Très bien, bah oui, on dit ce qu'a dit Guillaume, ouais. Ouais, on lui dit juste. On lui explique pas l'origine du temple. C'est une archéologue à la base. Bah, bon, elle est censée le savoir elle-même, hein. Fais ton boulot, hein. Attends, c'est pas assez payé, hein. Pendant que vous lui racontez très brièvement ce qui se passe, elle ouvre la paume de sa main, il y a vous voyez une lumière qui apparaît dans la paume de sa main, et elle vous demande qui a besoin de soins en priorité? Lui avec la masse là-bas, là. Oui. Vomissant du sang. Oui. elle pose la main sur ton torse, et tu sens une chaleur... Une chaleur qui t'envahit et tu sens tes blessures qui s'arrêtent de saigner un peu et tu te sens un peu mieux que tout à l'heure. Quand il y a mal, il y a mal là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit d'en avoir aussi ou pas? Alors elle en a, malheureusement elle en a qu'un par jour. Demain matin elle pourra en relancer un et Guillaume pourra en relancer aussi. Bien sûr, elle t'a dit ça directement. Et donc elle me soigne pour combien? Oh putain. Tu l'as vu? Tu le vois le jet? Ouch! 3. C'est sur le. 3 points de vie. 3. Tu as 9 points de vie. Ouais! Ça c'était utile. Est-ce qu'elle a. Ok, bah elle. Elle te soigne et elle a une petite moue un peu déçue. Elle fait j'ai tendance à faire mieux d'habitude. Désolé. Demain matin. Ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais. Ça arrive au meilleur d'entre nous, vous savez. Il y a toujours Murphy, etc. qui sont à côté et vous installez le camp, etc. Ok. Yes. Pour rappel, la fois dernière, vous étiez. En fait, l'entrée du temple était cachée derrière un mur invisible. Du coup, en fait, vous êtes à l'intérieur de ce. Enfin, un mur, comment dire, une illusion. Du coup, en fait, vous êtes derrière ce mur. Du coup, vous êtes plutôt bien protégé. À moins qu'une créature passe devant et. Renifle. Détecte l'illusion ou sente votre odeur ou quelque chose comme ça, ça devrait. Vous êtes à un endroit qui est quand même très sécurisé. Limite, le temple qui est derrière vous est plus dangereux que ça. C'est pas si étonnant que ça. Ouais. Le couloir de par lequel on est rentré, c'est bien celui-là, là. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ok, ben on s'installe pour la nuit. On devrait peut-être tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Qui prend le premier quart? Je peux prendre. Tu prends le premier? Ouais.
Ok. Je vais d'avoir une nuit complète. D'accord, bah, je prendrai le deuxième. Il y a combien de... on se fait... Je peux prendre les deux derniers quarts. Je peux prendre les deux derniers quarts vu que je suis en pleine forme. Sûr ? Oui. On est quatre autant. Ouais, non, mais c'est vrai que Crimson vaut mieux qu'il se repose vraiment. Moi, je suis en pleine forme, donc je peux prendre les deux derniers quarts. Ok. Et pour la Miss Sarah, on fait quoi du coup ? Sarah. Oui. Je peux essayer de lui... Enfin, non, il n'y a rien à rafistoler, là. Je peux pas... Avec Heal, tu peux faire un truc lié aux maladies ? Ouais, il me semble aussi. Ah oui, j'ai Heal, moi. Moi aussi. Mais écoute, ça quitte entre rien à rien. Ouais, voilà. C'est, tu peux diagnostiquer... Tu peux... Ah, non, pas le sort Heal. Le skill. Oui. Le sort, il est très bien. Mais... Oui, il y a un skill et il y a un sort. Et le sort, il est excellent. Mais... Mm-hmm. Bah, j'ai fait 23 en heal, c'est ok. Treat disease. Bah, 24. Ouais. C'est ça. Donc il faut que tu passes 10 minutes sur elle pour essayer de voir si tu peux traiter une maladie qu'elle a. On le fait à deux et on est tous les deux en même temps à le faire, là. Voilà. Ouais. C'est pas mal du tout ça. Ok. Ouais. C'est le premier jet et c'est le dernier jet. Ouais, c'est ça. Et ça fait un bonus de plus 4 au jet de sauvegarde contre le disease pour Sarah. Effet. Nice. Bon, après, si elle a pas de disease, bah. Si, si, elle a définitivement une disease, ça vous le savez. Donc plus 4, c'est ça, tu m'as dit, Guillaume ? Plus 4 à son jet de sauvegarde. Ok. Peut-être qu'on va même pas avoir besoin de la tuer. Ah. Elle a fait un 21 au total avec tout ça. Vous passez quelques minutes à ses côtés, à vous assurer qu'elle ait les meilleurs soins possibles pour s'en sortir, vous prenez sa température, etc. Elle a l'air d'aller un peu mieux, elle a l'air toujours fiévreuse, elle est toujours très chaude, mais elle a l'air de s'en sortir. Comme il va lui falloir plusieurs jours pour qu'elle s'en remette complètement, mais en gros, elle a réussi son premier... Enfin, c'est un bon début de recovery. De rétablissement. Rétablissement, merci. Pendant que vous êtes à son chevet, vous l'entendez murmurer... des paroles un peu incompréhensibles, et elle mentionne plusieurs fois un oiseau doré. Un oiseau doré ? Ouais, c'est un truc que vous entendez deux, trois fois, elle mentionne un oiseau doré, il nous observe, un oiseau doré. Je me souviens pas d'avoir écrit ça quand on a créé son personnage. c'est ce qu'elle murmure parfois. Alors, je suis désolée, mais j'ai la chanson des mystérieuses cités d'or qui me revient. Attends, c'était quoi, merde ? Enfant du soleil qui parcourt la terre, le ciel. Oh oui, d'accord. Je détestais cette série quand j'étais gosse. Oh ben non ! Esteban Ziyat a les cités d'or ! Je sais pas, j'étais peut-être trop petit quand j'ai regardé. Enfin bref. C'était chiant à mourir, je trouvais. Mais bon. Mais après, c'est peut-être que j'étais trop petit, trop jeune par rapport à l'audience, je sais pas. Je connais pas, ouais. Non, c'est la cité d'or, j'ai jamais regardé. Moi j'étais Power Rangers. Ok, ouais. C'est pas la même. Pas le même. Bref, donc on peut se reposer oui. Sans souci. Ouais. Game Master. Ok, donc. Et l'autre, elle parle de l'oiseau. Le premier quart. Attends, il y a combien de quarts au fait ? 4 ou... En général, il y en a 4, oui. Je prends ouais, les deux donc, derniers. Amadeus, tu prends le premier, bon gâteau, je prends le deuxième. Tout à fait. je prends celui après Amadeus et ensuite Raximus. Ok. Et pendant ce temps, enfin, juste pour prévenir, mon dernier quart, j'essaie quand même de voir avec Sarah qu'est-ce qu'elle entend par l'oiseau doré. Alors,
Bah, après, c'est plus quand ça sera mon quart, je pense. Attends. Oui, bien sûr. Vous passez la nuit relativement sans problème. De temps en temps, vous entendez des bruits d'animaux dans la forêt en contrebas, mais rien de particulièrement inquiétant. Et vous passez la totalité de la nuit sans problème. En termes de soins par le sommeil, vous regagnez juste un point de vie par niveau. Donc, vous avez regagné tous 4 points de vie pour une nuit complète de sommeil. C'est pas énorme, mais c'est ce que vous regagnez naturellement. Draximus, quand tu t'essayes de lui parler, quand elle reprend un peu conscience, elle a l'air un peu perdue, mais elle te dit il nous observe, il attend. Et elle pointe du doigt en direction de la cime d'arbre un peu plus loin. Et quand tu regardes, tu remarques rien de particulier. Mais de quoi parles-tu, bon sang? Elle a l'air un peu confuse et elle te redit il était là, je l'ai vu. Qui? L'oiseau? Alors, les pronoms comme ça. Non, mais moi je suis en train de dormir de toute manière. Ok. Quand tu essaies de lui parler, elle est toujours fiévreuse, elle délire un petit peu. Ce qu'elle dit n'a pas forcément beaucoup. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Elle te regarde, l'air un peu confuse, elle te dit bah non, c'est un oiseau. Bah, je sais pas, on est dans un monde magique, donc je ne sais pas. Il y a des escargots, il y a des... Tu t'essayes de la questionner un peu, mais tu parviens pas à en tirer quoi que ce soit. D'accord. C'est juste non, c'est un oiseau. Elle mentionne beaucoup d'autres choses, mais elle a mentionné ça 2-3 fois. D'accord. Vous réveillez au matin, au petit matin, le soleil se lève, et vous sentez tous un peu mieux, un peu plus serein, un peu plus reposé. Vous vous sentez tous aussi un peu plus confiant et peut-être un peu plus puissant. Crimson et Rage, vous sentez que vous avez quelque chose de nouveau en vous. Amadeus, tu sens que... Oui, c'est déjà pris en compte, etc. Mais ouais, vous avez tous gagné des points de vie, etc. Tu te rends compte que ta connexion avec ton animal totem, en quelque sorte, est plus forte qu'auparavant et que tu peux sans doute faire appel à ses pouvoirs d'autant plus maintenant. Quelque chose que t'as pas pu faire jusque-là. Qu'est-ce que vous faites? Mais moi, j'ai rien. On va dans la salle. Qu'est-ce qu'il y a, Amadeus? On va dans la salle, non? Okay. Oui. Est-ce que aucun de vous n'a de la compétence cuisine ou quoi que ce soit d'ailleurs? Personne ne peut préparer un petit déj? Il n'y a pas de compétence. Ah là là. Non, j'ai survival. T'as quoi? Survival, ça peut marcher? Ça peut éventuellement, si t'as envie de préparer un petit déjeuner. J'ai des trail rations, sinon. Je considère que vous les utilisez. Là, des rations, etc., vous en avez à profusion, donc je vais pas vraiment les compter plus que ça. Vous avez ce qu'il faut. Mais ce que je me souviens, c'est quoi? C'est connaissances. C'était connaissances du monde. Donc j'imagine. Dans que Pathfinder c'est... Kingmaker, ouais. Mais moi, ouais, j'aurais tout tendance à dire que c'est un métier d'artisanat. Connaissances locales. Enfin, un métier d'artisanat, c'est. Ça, c'est si tu. C'était un chef, quoi. Pour savoir cuisiner. Dungeoneering ou local, si c'est juste pour savoir faire un peu de temps. Connaissance locale, c'est pas une mauvaise idée. Ça paraît logique aussi. Si tu veux le tenter, pourquoi pas. Si tu veux tenter de. Yay! Ouais, j'ai local. Bah alors, attends, j'ai qu'un plus 6 là. C'est pas normal. Non, un sens si. Il me compte le plus 3, donc c'est bon. Ok. Hey. Bah, qu'est-ce que vous voulez essayer de faire du coup? Une omelette de Owlbear. Une omelette de quoi? De Owlbear. Ah, est-ce que tu as des œufs de Owlbear? Non. Non, c'est juste attraper des champignons, du lichen, de la mousse qui pousse. Draximus, pareil. Oui. Sous des écureuils, okay. J'en fais des sticks. Si tu nous trouves un écureuil ou du lapin ou un truc comme ça. Non, mais allez, je peux sortir de la sans problème. Une fricassée de la forêt. C'est ça. Avec un vin, tu parviens sans problème à trouver un lapin de bonne taille. Et à vous deux, vous réussissez à ramener quelques provisions assez basiques. Et en cuisant tout ça sur le feu de camp, vous parvenez à avoir un petit repas, un petit déjeuner très basique, mais consistant. Je vais donner à tout le monde 2 points de vue de plus pour le petit déj. Yeah. Tous ces points de vie qui ne me servent à rien. De points de vie temporaires, c'est ça?
Je ne peux pas les donner. En soin, vous avez passé une bonne nuit de sommeil, vous avez mangé un bon petit déj, ça me choque pas de vous gagner 4 points de vie, plus 2 points de vie en plus. 6 points de vie au total pour la nuit. Nice, je suis revenu à mon max. Nice. J'y suis pas encore. T'as qu'à pas être un sac à PV. Toi, Crimson, et te demande, est-ce que vous avez toujours besoin de soins? Oui. C'est, okay. C'est qui les priorités? T'as combien de points de vie, toi, Amadeus? J'en avais 17. Je sais pas du coup combien j'en ai en plus. J'en ai maintenant 19 avec les deux. 21. Déjeuner. 21, ouais. 23. Non, t'es à 20... Attends, t'en avais 17 en comptant les 4. Ah, si vous voulez. Parce que t'avais eu 4 par rapport à la nuit. Plus 2 avec les deux. C'est total. Ouais. Tu les as pas ajoutés à ta fiche, Amadeus, les points de vie? Je vais les rajouter. Ok, je le fais, t'en fais pas. Il n'y a pas de souci. Juste pour votre information, si vous ajoutez les points de vie au token, ça les ajoute à votre fiche automatiquement. Donc, et vice-versa, non ou... Si, vice-versa. D'accord. Comment je les ajoute au token? Si tu cliques sur ton token, tu as le petit cercle rouge avec 15. Ok, je viens de voir. Ouais. Ouais, j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai lié les tokens aux fiches de personnages proprement, du coup, les deux sont, sont liés. Donc ouais, ça va être plus facile pour tout le monde de traquer les points de vie. Vous voyez pas les chiffres, mais vous voyez au moins à quel point tout le monde est baissé. Tu lui demandes un soin à Tristan, du coup? Enfin, elle te le propose. Ouais, j'aimerais bien, moi. Parce que... elle veut vraiment pas, hein. Le Game Master ne m'aime pas. Non. Oh. Elle s'approche de toi, tu vois la lumière qui sort de la paume de sa main, et au moment où elle te touche, elle fait un petit pétard mouillé, un petit éclair de lumière, et genre flash d'appareil photo. J'ai tout donné là. Ouais, t'es en train de me rappeler que le prochain sort que je vais prendre, ça va être Infernal Healing. On va acheter beaucoup d'eau maudite, hein. Par curiosité, est-ce que t'avais ajouté les 6 points de vie à rage? Oui, je les ai ajoutés. Ok, ça marche. Ok, vous vous remettez en route vers le temple, à moins que vous vouliez faire autre chose entre temps? Une petite partie de domino. On va réfléchir à cramer un ou deux sorts pour me soigner moi et Amadeus. Bah, est-ce que je pourrais essayer de heal? Sur lui, c'est ce que c'est... Non, ça va rien changer, heal sur lui. Alors, utilise la compétence de heal, c'est juste après une blessure. Donc si tu le fais quelques heures après une blessure, c'est possible. Le lendemain, c'est plus vraiment possible de les traiter. Ok. Bah, c'est pas du tout. En gros, les 6 points de vie qu'il a regagné avec la nuit, c'est déjà ce que tu lui aurais promis, quoi. Et là, tu sais quoi, mes sorts de niveau 2, pour l'instant, je vais pas utiliser... Enfin, ça va pas être des trucs que je peux utiliser à fond. Est-ce que, si j'ai connaissance nature... Mmh. Je connais des trucs dans la nature qui pourraient l'aider à soigner. Est-ce qu'il pourrait trouver de l'herbe à roi? Tu pourrais le tenter, ça va être assez difficile. Si tu voulais vraiment faire ça, il faudrait genre soit la compétence artisanat herboriste ou compétence artisanat. Non, ça a du sens. C'est possible, mais c'est un peu vague, quoi. Ça a du sens. Sans y passer au moins quelques heures, etc. Quoi, en tout cas. Ok. Ok, est-ce que vous voulez faire quelque chose du coup? Vous retournez dans la... On y retourne. Bon, allez, on y retourne. Oui. On y retourne. Allez. Vous êtes dans tous les cas beaucoup en bien meilleure forme que la veille. Vous avez débloqué pour certains des nouvelles compétences. Et vous êtes bien plus apte à affronter les dangers qu'il y a. Potentiellement. Foreshadowing. Ouais. Bah écoute... Let's go, hein. Allons-y. Allez. Alonso. Amadeus, t'en es à combien de points de vie? 23 sur 37. Ouais. Bon, je vais cramer un sort, allez. Hop. Donc t'es soigné pour 12 points de vie. Nice. Oh, pas mal. Est-ce que tu peux les mettre, Amadeus? C'est parce que j'ai lancé 2d8 hein, que ça fait 12. Merci beaucoup. Merde, je retrouve pas. Comment je fais pour retrouver? Alors, tu peux aller sur ta fiche sinon. Ouais, si tu vas sur ta fiche. Sur ma fiche directement, ça sera. Plus 12. Ouais, donc t'es à 23 sur 37, tu passes du coup à 35, c'est ça? 35, ouais. Cool! Ouais, et je vais cramer un autre sort pour moi parce que. Il va me le falloir. Et je me soigne pour 16 points de vie. Non,
18. Alors, c'est pas les mêmes soins que Tristan. Hein. Bah écoute, hein, c'est quoi ce sort-là que tu claques? C'est... comment ça s'appelle? Bah, c'est Cure Moderate Wounds. Tu l'as chopé au niveau 2, ça? C'est... à chaque fois que je gagne ma nouvelle liste de sorts, je gagne le sort Cure Wounds correspondant. Ah, en tant que cool. Cool. Nice. Et t'as combien de sorts de niveau 2 par jour? 4. Ok, t'as déjà claqué la moitié de mes sorts. Ok, ça marche. De niveau 2, ouais, j'ai claqué la moitié de mes sorts. Oui, oui, bien sûr. Ok, ça roule. Donc vous retournez dans le temple, oui. Vous vous approchez de la salle que vous aviez vue, et comme je l'avais expliqué la fois dernière, il y a en effet un trou qui s'engouffre dans le sol. Vous pouvez descendre et remonter du trou sans trop de difficulté, c'est pas une chute de 2 ou 3 mètres, c'est un peu étroit, vous pouvez pas passer tous en même temps. Et vous allez devoir escalader un tout petit peu pour remonter, mais c'est pas du tout infaisable. Quoi. Par contre, ce qui va être important, c'est si vous voulez descendre, il va falloir choisir qui descend en premier. Est-ce que Sierra, tu veux passer devant pour regarder s'il y a des pièges? Ok, j'ai des piolets aussi. J'ai toujours les piolets et la corde. Oh bah, tu vois le chemin alors. Ok. Discrètement, tu es forte en discrétion. Non, bah heureusement. Stealth? Non, je sais pas, attends. J'ouvre la marche et je caste. Je caste rien parce que je suis pas caster. Fais-moi un jet de perception et de discrétion, du coup, s'il te plaît. Ok. Donc, perception et discrétion, c'est discrétion? Ouais, c'est ça. J'ai pas discrétion, c'est... Stealth, tu dois avoir quand même un bon score. Ouais. Voilà. Je pense que... Perception, tu vois tout, t'es l'œil de Sauron. On a perdu Edouard. Franchement, t'as fait un 19 avec un plus 14. J'ai honte à toi. On a perdu la caméra, Edouard. Mais Ou c'est juste moi. C'est juste moi. Ah non, ça revient, je crois. Il s'en va et il se revient. Ouais. Okay. Perception, par contre, c'est joli. Oui. Ouais. Mais souviens-toi, tu peux pas faire un crit sur un jet de skill. Je suis pas d'accord avec ça, mais on va pas entrer dans le détail. Mais le pire, c'est que c'est un crit en fait, parce que c'est un 20 que j'ai fait vu que j'ai 7 en fait. Mais dans ce niveau de règle, tu peux pas faire de crit sur les jets de skill. Et tu peux pas non plus faire d'échec critique. Ah, c'est pas faux. C'est la tristesse, je pense. C'est plus marrant quand il y a des absolus. Alors, je vais juste. Quand tu descends, alors ça c'est ce que Sierra voit, les autres vous le voyez pas forcément. Est-ce que vous avez la carte? Il y a des méchants. Je vois pas de quoi tu parles. Ah bon? Est-ce que c'est un serpent? Snake! Tu arrives, tu descends tant bien que mal par le tunnel et tu jettes un œil et tu vois en effet plusieurs silhouettes qui semblent errer un peu sans but dans la salle. Tu vois notamment celui-là qui semble gratter à une lourde porte en bois et plusieurs individus, plusieurs squelettes et autres morts-vivants qui semblent se promener dans la salle. Tu remarques que la salle semble très très vieille. Comme je l'avais décrit dans le donjon, il y a certaines salles du donjon qui étaient plus vieilles que d'autres. Avec le recul et les informations que vous avez maintenant, vous vous rendez compte que... Ah, Cheyenne n'a plus de son. Ah... Oh. C'est embêtant, surtout que c'est à elle que je parle. Principal intéressé. Allô, est-ce que tu nous entends? Oui, là, ça y est. Ok. L'ordi, c'est le téléphone, pardon. T'en étais arrivé où quand ça a déconné? Je demandais si je reste à couvert, en fait, si je suis visible de l'intérieur de la salle. Alors, je vais d'abord te décrire ce que tu vois. Donc, ce que tu vois, tu as des silhouettes de squelettes, etc. dans la salle. Tu remarques que la salle est très, très ancienne. Elle sent vraiment le renfermer. Elle est dans un état de... Elle est très très délabrée. Comme j'avais mentionné, certaines des salles du donjon semblaient beaucoup plus récentes que d'autres. Et avec ce que vous savez maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a certaines salles qui avaient sûrement été rénovées et piégées par les disciples de Pharazma et certains accès bloqués. Et cette salle-là a l'air d'être bien plus ancienne, donc elle a probablement été intouchée par les disciples de Pharazma. Et tout semble
beaucoup plus ancien, beaucoup plus abîmé que le reste. C'est ce que tu vois dans la salle. Tu vois aussi qu'il y a des bibliothèques là-bas avec beaucoup de parchemins et des livres. Mmh. Et tu remarques aussi que la créature qui est là, ainsi que la goule, au moment où tu entres, se tourne vers toi. Tu as fait du chemin dans des gravats, etc. Tu as fait un peu de bruit. Tu attends, 19 de sterve. What? Alors, je peux vous montrer les jets si vous voulez. Non, on te croit, on te croit. C'est bon, on te croit, J'ai même pas fait les jets pour les squelettes. The Sentinel. Il y a une des créatures qui a un plus 0 et qui a fait un 19. Donc elle a fait un 19 plus 0. Et l'autre, il a fait un 19 plus 7. Allô? Oh non, mais je suis pas d'accord. Oui, confus. Philippe. Par contre, ton 27, tu remarques immédiatement qu'elle t'empérait et tu sais que les créatures se retournent doucement vers toi et semblent chercher quelque chose à l'endroit où tu es. Semblent te avoir détecté qu'il y avait quelque chose. Voilà. Ils ont détecté qu'il y avait du mouvement. Micro parenthèse. Je suis vraiment désolé, le chien est en train de faire des bêtises, faut juste que je le rattrape. Vas-y, y'a pas de soucis. Bah tiens, justement, micro parenthèse, t'as utilisé les assets que t'avais récupérés avec le. Les packs Humble Bundle que t'avais récupéré ? Ah, pour ça, parce que ça, je l'avais fait il y a des semaines, des maps là. À vrai dire, je vous spoil un petit peu, mais cette salle-là, je pensais que ça allait être une des premières salles que vous alliez explorer, parce qu'en termes dans le donjon, c'était au tout début. C'est des low level alors. Ouais, mais t'as oublié que dans les donjons, tout le monde va à gauche. Et c'est vrai. Tous c'est vrai. À gauche. C'est vrai ça ? C'est une vraie statistique ? Oui, statistiquement, les gens, quand ils ont des directions à prendre, ils vont à l'opposé de leur main directrice. Ah bon, c'est marrant. Mais il y a une raison à ça ? Je sais pas, c'est un phénomène psychologique. Je pense que c'est parce qu'en fait, tu vas à gauche, du coup, ta main dominante, tu te protèges mieux. Enfin, je sais pas. Bah non, justement, si tu vas à gauche. Je sais pas trop. Ouais. Par contre, ouais, je sais aussi que tu vas très rarement tout droit. Tu vas généralement à gauche, des fois à droite, mais tu vas très rarement tout droit. Bah oui, tout droit, c'est l'option facile. On dirait l'option facile en fait. On dirait l'option où tu vas avancer, va rien avoir devant et du coup tu vas retrousser. Si tu regardes la plupart des jeux vidéo, la construction des donjons, ouais. Ils sont faits pour que si tu ailles à gauche, tu vas généralement dans les salles annexes et si tu vas à droite, tu vas aller vers l'objectif principal. Ah, ça je savais pas. C'est intéressant ça. La plupart des donjons sont construits comme ça. Après ça c'est logique aussi, c'est par rapport au sens de lecture en général. Je sais que par exemple Mario etc. il va de gauche à droite parce que dans le sens de lecture tu vas de gauche à droite et du coup c'est une progression naturelle. C'est un jeu japonais, ils lisent de droite à gauche. Oui je sais, mais je sais pas. Mais moi j'en ai toujours dit ça. On m'a toujours dit que dans les jeux vidéo tu vas de gauche à droite parce que c'est l'ordre de lecture. Mais c'est vrai que vu que c'est japonais à la base c'est pas logique. Ça devrait être de haut en bas à la base, hein, mais c'est pas grave. Oui. Syrah, tu entres dans une salle qui pue la moisissure et il y a des squelettes qui te voient. Pam pam pam. J'ai perçu qu'il me voyait. Je fais quelques pas en arrière et je fais signe à Drax. Je les ai regardés, ils m'ont regardé. Syrah Lightfoot devient Syrah Swiftfoot. Exactement. Je me force. Tu leur fais signe de te fuir du coup. Je leur fais signe, est-ce que... Si à qui a fait signe de suivre mort vivant ou... Viens Viens, on est bien. C'est la samba. Allez, viens, on est bien. Non, mais je fais signe à Drax. Enfin, après, on est censé être en file un peu. Oui, moi j'étais derrière à suivre. C'est étroit, donc c'est toi le premier derrière, c'est ça. À ce moment-là, je te fais signe, je te dis qu'il y a... 4 Strangers Danger! 4 à 5 ennemis potentiels, dont au moins un ou deux qui risquent d'être très dangereux. Et après, l'information, j'espère que tu vas la passer au reste du groupe, mais. ouais, c'est ça, ouais. Je continue d'avancer. Mais attends, c'est en deuxième position. Qui c'est qui met l'archer en deuxième position ici? Ça aurait dû être moi en deuxième position. Ah ouais, pas faux! Bon bah. Je sais pas alors. Attends, non, mais donc dans ce cas-là. A priori, moi ce que vous m'aviez dit, c'est juste Syrah s'avance toute seule. Donc derrière. Oui, voilà. Derrière Syrah. Ok, c'est Amadeus qui est derrière moi. D'accord, pardon. Je me suis trompée. Donc je me suis trompée, je dis à Amadeus, voilà, et j'espère qu'il va.
qui veulent faire passer l'info aux autres, et j'essaye de me reculer un peu pour sortir du champ de vision si possible. Tout va bien, vous ne m'avez pas vu. Voilà. Fais-moi un jet d'escalade, s'il te plaît. Je suis une fougère. Moi ? Ouais. Je suis pas d'accord, j'aime pas l'escalade. C'est pas une question. Pas juste. Ouf. Oh, le rire machiavélique de MJ, quoi. Alors, tu te brises la cheville et tu meurs. Alors que tu tentes de remonter, de te reculer un peu par le chemin étroit, tu glisses sur les gravats et tu tombes au sol. Tu te fais pas mal, mais tu tombes au sol et tu fais en effet un petit boucan. Et tu es certain que maintenant tout le monde est au courant de ta présence. Mercuro. Donc, pardon, vas-y. Non, pardon. Je suis pas là. Non, à toi d'agir. Justement, comment quitte à faire du bruit, je dis aux autres, ramenez-vous, il y a du monde. Ouais, on te laisse là. Bon. C'est bien, on va pouvoir diviser en 4. Je sais où tu dors, Draximus. Je sais que t'aimes bien couper les gens, Draximus, mais diviser en 4, ça... c'est beaucoup de travail. Hein. Non, je parle de la prime. Okay. La prime, on divise en 4 au lieu d'en 5. C'est juste ça. Ok, qu'est-ce que vous faites alors? Vous entrez, vous engouffrez dans la salle? Oui. Bah ouais, hein. Ok. Pas le choix. Vous pouvez... Pour une échelle, non. Comme d'habitude, Amadeus et moi, on prend la première ligne. Ok. On ne change pas une équipe. Pardon, j'ai mis Amadeus deux fois. Non, je suis d'accord, moi. Ça va. je veux un double shield. Maximus. Amadeus, tu nous fais plaisir, tu deviens un loup-garou ? Oui. Allez. Ok. Alors, vu que Rage et Draximus étaient loin derrière et que c'est un passage étroit, je vais considérer qu'ils arrivent au prochain tour. Donc le premier tour, c'est uniquement Sierra, Amadeus et Crimson. Ok. Okay. Amadeus, souviens-toi que quand t'es en forme hybride, tu gagnes pas mal de bonus, notamment un plus 2 en force et un plus 2 à la classe d'armure. C'est ça. Okay. Plus 2 en force, ça veut dire à ta stat de base, donc c'est juste un plus 1 à tes jets de dégâts, etc. Okay. Mais ouais. Un plus 1 au toucher aussi. Oui, mais c'est ce que je voulais dire par etc. C'est plus 1 au jet. Faites-moi tous un jet de initiative, s'il vous plaît. Y compris Draximus, même bah si... Bah non, on n'est pas dans ce... Ah bon, d'accord. Attendez, avant de lancer votre jet d'initiative, cliquez sur votre token. Non, c'est pas la peine, parce que ça c'était de la merde, ça nous a pris 20 minutes la fois dernière, vous en faites pas. Si on le fait maintenant, on peut le faire. The Watch. J'ai déjà fait le 6, ok. Crimson a fait un 13. Pas dégueu. Ah, ça sert à quoi que je lance 2 dés, quoi. Crimson, t'as fait combien? J'ai fait 13. Au prochain niveau, je prends Improved Initiative parce que ça commence à me casser les couilles. Amadeus, t'as fait 10, c'est ça? 10. Ok, et est-ce que t'as fait le jet pour Rage? Je peux le faire si tu veux. Rage. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours mon bonus de Favorite Terrain. Oui. Bon, ça a été au niveau 11, je pourrais lancer le dé 3 fois. J'espère que ça viendra vite. Ok, et je vais juste lancer pour les mobs. Alors, le squelette. Sérieusement, tout le monde fait des meilleurs jets que moi. Non, il y a moi, hein, t'inquiète. Ah, le squelette, il a fait un 6. Il a fait un 8, pardon. Ah, mais c'est toujours mieux pour moi, quoi. Comment je fais pour ajouter quelqu'un encore? Je vois personne moi dans la fiche Turn Order là. Vous voyez personne? Turn Order? Non, tu les as supprimés je crois. Moi y'a rien. Ah, c'est peut-être que moi qui les vois. Bon, y'a peut-être que moi qui les vois. Ah, c'est chiant. J'ai vu Draximus brièvement. Ouais, en fait je l'ai supprimé pour l'ajouter à celui que j'avais. Mais après, techniquement, on est pas censé les voir. Non, bah, c'est pratique parce que moi vous savez ce qui arrive, mais bon, c'est pas très grave. Moi je les vois.
Ok, le squelette, il a fait donc 8. Pendant que... La ghoul, elle fait... Vas-y, dis-moi. Putain, mais c'est quoi ces jeux de merde encore? Pendant que tu réarranges l'initiative, je... Je vais redémarrer mon ordinateur. Ok, ça marche. À dans 3 quarts d'heure. À dans 3 quarts d'heure. Maintenant, je regrette de pas avoir... Comment ça s'appelait? Bone Shaker. Ok, alors dans l'ordre, on a Amadeus qui va jouer en tout dernier. C'est Draximus d'abord, mais il joue pas. Donc c'est Sierra, mais elle est pas là. Sierrage, mais il est pas là. Bravo. C'est mon mob, puis Crimson, puis le squelette, puis la ghoul, puis Amadeus. Ok, nickel. D'ailleurs, est-ce que maintenant que je vois les ennemis, je peux avoir un jet de connaissance pour voir si je reconnais... Alors, fais-moi 2G de... Alors, ça, tu reconnais que c'est un squelette. Ça, tu reconnais que c'est une ghoul encore. Alors, attends, pardon. Ça, c'est un squelette. Ça, c'est une ghoul. Ouais. Ça, tu sais pas ce que c'est. Fais-moi un jet de connaissance mystère, s'il te plaît. Connaissance mystère... C'est Arcana. Arcana, oui, en anglais. Pardon, c'est bon. Ça... Oh là là. Point, 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 okay. Point. Et c'est justement pour ça que j'ai. Oh là là. Bon. Oh. Ça fait 11 plus. Il faut ajouter un plus 5. Donc ça fait 16. Pourquoi le plus 5? C'est ton pouvoir, c'est ça? Ouais. Rappelle-moi vite fait. Je refais le G en ajoutant mon bonus de charisme. Et tu peux faire ça un nombre de fois limité? Non, bonus de charisme fois par jour. Ok. Alors, ce que tu vois là, je peux. Ah merde, est-ce que je l'ai pas mis sur le mauvais? Un serpent avec une tête d'homme. C'est à peu près ça. Ah ah ah! Charmant. Ah, alors est-ce que si je fais ça, vous le voyez? Sexy! Alors je c'est un mille pattes. C'est plus une espèce de serpent avec un crâne et des espèces de mandibules. Ceux qui sont les plus experts en anatomie, etc., reconnaissent que c'est pas une créature naturelle. C'est quelque chose qui a été construit à partir de colonnes vertébrales, de serpents, de colonnes vertébrales et de crânes humains. C'est quelque chose qui a été construit. Crâne de nécrovent. Sexy. Crimson, tu sais que tu devines que c'est une des expériences qu'ils ont fait sur les morts vivants. C'est un nécrophidus inférieur. D'un coup je me sens moins mal du fait qu'on les laisse se faire désintégrer. Alors, pour te donner un petit peu d'informations, c'est donc une construction d'ossements qui est pas... Comment dire ? Une de ses capacités, c'est qu'elle peut paralyser ses cibles via une danse et ainsi que ses morsures. Ceux qui la regardent peuvent être paralysés quand elle fait une certaine danse, et ses morsures peuvent paralyser aussi. À part ça, c'est une créature qui n'est pas particulièrement dangereuse en elle-même, mais qui peut facilement présenter un danger par sa paralysie uniquement. Mm-hmm. Ok. Merci. Donc on la regarde pas en face et... Mais nous on sait pas pour l'instant. Nous on sait pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous laissez pas mordre. Et faut pas qu'on la regarde c'est non plus. Aussi. Faut c'est pas aussi pour la coup, ça. Faut pas qu'on la regarde non plus, je ne dis pas ça. Bah non, pas vraiment, parce que j'ai envie que tu lui tires dessus. Si tu regardes d'ailleurs, ça va être un peu compliqué. Sierra, c'est à toi de commencer d'ailleurs. Ok. Bah, Whisk. Allô? Oui, ah, je suis là. Je vois le turn order de tes mobs maintenant. Bon, dans ce cas-là, je vais d'abord jouer le squelette. What? Allô? Ah, allô? Pardon, toi... c'est moi qui déconne. C'est moi qui ai la guépante. Ok, qu'est-ce que tu veux faire du coup? Je vais me. Si. 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 Si.
En sachant que tu es dernière action, tu es tombé au sol, donc il va falloir que tu fasses une action de mouvement pour te relever. Ok, une action de mouvement pour me relever et... ok. Et ouais, je me mets à peu près ici. Et qui est-ce que je vise? On va commencer par lui. J'ai mon arbalète. Tu peux si tu veux, oui. Attends, les ghouls, elles sont affectées par les arbalètes? Je me souviens plus. C'est... Non, c'est que slash, c'est ça? Persan, ça marche pas. Les squelettes ont de la résistance aux dommages à part quand c'est bludgeoning et les ghouls c'est slashing. Ok, c'est le contraire. Le truc c'est que l'arbalète c'est piercing. Non, les, ghouls c'est pas, pas. Les ghouls n'ont pas de DR. C'est les zombies qui ont de la DR. Les ghouls n'ont pas de DR. Bon à savoir. Donc on peut tirer des flèches sur les ghouls. Tu peux tirer des flèches sur les ghouls. Sur les ghouls. Ok, bah je tire une flèche sur mon ami. Ça va ghoul, rien là. Lui faire. Hein. Mais c'est un squelette ça. Ah, c'est un squelette que tu vises. Ça c'est un squelette. Oui, ça c'est un squelette. Les ghouls, il y en a qu'une ghoul. La ghoul elle est là. Ah, ok, ouais. Est-ce que de là. Bah, ouais. C'est quoi la portée de ton arbalète? Ah, merde. Arbalète. Ça doit être bon là dans la pièce. Hein. Hein? Ça devrait être bon là, non, dans la pièce, la portée. C'est, ouais. C'est une arbalète petite, ça n'est pas. La hand crossbow, petite, ouais. elle a ah. très peu de. Il me semble que c'est portée. 20 mètres, mais je sais pas. Non, 10. 10 mètres. Ah, Jesus, ok. 10 mètres, c'est. 6 cases. C'est 6 cases. Bah ouais, bon, bah non. Donc. Tu peux toujours tenter d'attaquer le squelette, c'est juste que ça, c'est peu probable que tu fasses grand chose dessus. Elle fait un D3 avec la hand crossbow, hein. Ça ne fait rien. De toute façon, le squelette, ça sert à rien de l'attaquer, quoi qu'il arrive. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas. Oh. Je suis désolé, j'ai des gros lags, je sais pas ce qui se passe d'un seul coup. Je suis en train d'essayer de fixer ça, mais pour l'instant, je vois pas trop ce qui se passe. J'ai fait un roll sans le vouloir, en fait, donc. Je peux pas le compter, mais c'est dommage, c'était pas mal. Bah, ouais, en plus, mais bon, ça va rien faire, donc. Ah, c'est 9 mètres ton range, c'est 9 mètres. Ça... Oui, il ajoute un plus 5 à ton dommage, le jeu. Attends, parce que je sais pas. Je sais que t'avais fait des trucs, bizarres sur ta fiche. J'avais changé pas mal de trucs, mais comme ça on booste sa fiche. Ah bah bravo. Mais moi aussi je m'étais rajouté 5000 XP. Tu peux ajouter ton bonus, mais pas avec ton arbalète. Faire. Pour l'instant. Mm-hmm. Je sais pas, il y a pas ma piercing, attack, range. Non, j'ai rien rajouté. Hein. Index de. T'as 20 en dextérité déjà de mm-hmm. Ok, alors ta dextérité, damage. Oui, c'est parce que tu as ajouté ta dextérité à tes dégâts, ce qui n'est pas le cas. Donc faut pas ajouter le plus 5. Ah bon, là, je l'ai corrigé. C'est. Il y a que les. Oh, Hulk. Ok, du coup, t'attaques le squelette et tu fais c'est ça. Bah ouais, vas-y. Ok. Tu peux pas, Maximus. Tu vises avec ton arbalète, ta flèche le tape au niveau d'un de ses os et rebondit sans rien faire. Il a un petit mouvement, il recule un tout petit peu, mais c'est tout ce qui se passe. C'est ensuite à. Comme c'est étonnant. Au Nécrophidus. Donc il va. Make. Il va se déplacer mais. De 4 cases. Patch. 3, 4. Cosmic Snake. Mais Snake! Danger Noodle! Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Il va du coup se déplacer deux fois à la place. Uh-oh.
Cool. C'est-à-dire que ma charge, je pourrais lui mettre un pain dans la tronche. Ok, c'est tout ce qu'il fait. Il s'avance vers vous, il rampe au sol et il vous regarde l'air menaçant, l'air mauvais, et il se faufile en votre direction. Est-ce que vous avez encore de la musique ? Non. Ok. Bah, disons que j'ai pas, je sais pas sur mon ordi là. Oui, certes. Ok, c'est à Crimson. Ensuite, ça va être au squelette à la goule, puis à Amadeus. Écoute, hein, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que là, la plupart de mes sorts, bah, ils ne serviront à rien. Tu le Danger Noodle. Bon, je pense que ce serait le mieux. D'ailleurs, concernant le Danger Noodle, tu avais fait un bon jet de connaissances. Est-ce que tu veux savoir quelque chose de particulier, outre ce que je t'ai déjà dit ? Bah, tu m'as dit qu'est-ce qu'il avait comme truc offensif. Je t'ai juste dit son attaque spéciale, ouais. C'est sa morsure et son. Je vais supposer qu'il a de la DR. Donc, tu peux me donner ça ? Il a une DR5 Bludgeoning. Okay. Donc, il subit des dégâts réduits de tout sauf des masses. Donc il vaut mieux que je lui envoie un coup dans la tronche. Ok. Et à cause de vous, j'ai pas du tout eu le temps de préparer. La prochaine fois, vous me laissez me buffer pour les combats parce que maintenant j'ai des buffs. Mais comment on a pu savoir qu'il y avait. Oui, c'est vrai qu'on rencontre pas des trucs comme ça. Bon, je vais charger. Ok. 1, 2, 3. 4. Mais attends, si je charge, je peux faire deux fois mon mouvement. Oui, tu peux faire jusque deux fois ton mouvement, ouais. Donc voyons, 1, 2, 3... Tu veux aller où ? Derrière, ok. 3, 4, 5, 6, 7... J'aime cette logique de charger derrière un ennemi. Tu sais quoi, si je peux ? Oui ou non, c'est vrai. C'est... Dans les règles, je suis quasiment sûr qu'il n'y a rien, mais en termes de logique, c'est un peu bizarre, je trouve. De... Bah non, parce que faire une charge, te retourner puis attaquer. Si tu passes à côté, c'est pas jeter une attaque d'opportunité, justement. C'est seulement si tu quittes sa zone menacée. Donc, ouais, mais attends, il doit y avoir une règle à la con par rapport à genre d'essayer de contourner un ennemi alors qu'il te voit et il te voit foncer dessus, quoi. Pas de ce que j'en sais, je m'en renseignerai, mais. Ça semble vraiment. Après, c'est vrai que pour la charge, je pense pas que je peux me retourner, comme tu dis. Je vais juste me poser là, dans ce cas. Ok. Mais c'est quand même une charge. Hein. Oui, bien sûr. Et donc, bah maintenant, on va lui mettre un coup de masse dans la tête. Oui. 16. Can you stricken heart once a day? Ouais, c'est une nouvelle masse. C'est un. Ok. C'est 16, hein, pas 14. Ouais. Alors, 16, ça touche de justesse. Fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. Et comment ? Attends, juste pour. Qu'est-ce que j'oublie ? J'oublie quelque chose. Bref. La prochaine fois, vous me laisserez faire mes. Ouf ! Mais what ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ouh, 19, nice ! Non. Je sais pas trop ce que t'as fait, à vrai dire. Il compte 2d8 de dommages, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le critique, c'est, il t'indique les dégâts normaux et les dégâts critiques. Donc les dégâts normaux c'est 10 et les dégâts critiques ce serait 19. Oui. T'es sûr ? Mais pourquoi ouais. Il me fait ça ? Je sais pas ce que t'as fait en fait sur ta fiche, parce que normalement il fait les deux en même temps, il fait les dégâts et le... Bah pourtant j'ai rempli le truc... T'as fait comment pour faire ton attaque ? J'ai cliqué sur attaque. Ah ok, ouais. En général on clique plutôt sur l'arme directement, comme ça ça fait les deux en même temps. Si tu fais ça, je vais juste te le montrer, ça compte pas, mais juste pour te montrer. Ah, là tu vois les le truc. Ouais. Et du coup si tu critiques, il te met automatiquement les... Si tu confirmes un critique, enfin si tu fais un premier critique, okay. Il te met automatiquement les dégâts critiques à la place des dégâts normaux. Bon bah bref. 10 dommages donc. Ouais, 10 dommages. Ok, tu charges la créature, le Necrophidus, qui te regarde arriver, et au moment où tu arrives dessus, tu lui éclates le crâne d'un coup de massue. La créature ne semble clairement pas avoir pu venir ça. Nani. Et tu entends un craquement sinistre au niveau des os de sa nuque et du crâne, qui est... maintenant sérieusement fissuré, tu
tu sais pas vraiment dire. Enfin, la créature a l'air de pouvoir encaisser encore quelques coups, mais tu lui as fait des sérieux dégâts pour sûr. Mm-hmm. Ok. C'est ensuite au tour des squelettes. Alors le squelette ici va commencer et il va faire une charge sur Sierra. Il a deux griffes. J'ai un doute, Guillaume, quand tu fais une charge, sauf si t'as pawn, tu peux pas faire toutes tes attaques, c'est ça? Tu peux faire qu'une seule attaque. Tu peux faire qu'une seule attaque, ouais. C'est ce qui me semblait, merci. Tu peux me donner le résultat du dé? Je peux faire le dé d'abord si tu veux, oui. 15. Ouf. On va dire si tu veux bien relancer ça, oui. Enfin, merci Guillaume. Oh. J'ai Uncanny Dodge aussi, sinon en fait. Uncanny Dodge, c'est pour les. Alors ça va. T'as combien de classes d'armure? Ça va être un. Avec la charge, ça va être. Un 16. J'imagine. Attends, que tu expliques ça. C'était vraiment 20. Un 20? Le premier, c'était un 20. Ok, ça marche. Je sais pas, j'ai vu un 15. Le 15, c'était autre chose. Ah, ok. Je donc sais t'avais... plus que c'était, mais j'ai fait un 20 puis un 12. Ouais, donc, ouais, relancer le 20, c'est bien. Ah oui, le oui. Non, pardon. T'as fait le 15, c'était le premier attaque. Puis j'ai relancé, ça a fait un 20. Et pour confirmer le critique, c'est pas passé. Ah, d'accord, ça c'était la confirmation. Ouais, ouais. Ok. Bon, les mecs, il faut vraiment que vous me laissiez me buffer. Maintenant là. Là, ils ont juste. Ça fait pas des gros dégâts, c'est un squelette. 3 points de dégâts. Tu subis donc 3 points de dégâts. Mais ouais, en même temps, là, ils ont bien géré, c'est juste qu'il n'y a pas eu de bol et elle s'est fait spotter directement. Ok, le deuxième squelette. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se placer là et il va également te faire une attaque. Est-ce que tu veux encore le dé séparément? Non, tiens, mais j'ai utilisé mon pouvoir pour ce tour. Ah, tu peux le faire qu'une fois par tour, ok, ça marche. Dans tous les cas, ça ne touche pas, il a fait un 11. Et ce squelette-là va s'avancer. Pour marquer pas. Il sort un arc et il va tenter de t'attaquer à nouveau, Crimson. Oh. Bon, je suis en train de repenser sérieusement à ce truc d'aller en premier. Il te vise de son arc et sa flèche se plante derrière. Amadeus, tu entends la flèche siffler à quelques centimètres de ton visage et la flèche se brise derrière vous à côté de Raj. Ok, c'est tout pour les squelettes. Quand j'aurai mon niveau 7 et que je pourrai me téléporter derrière eux, ce sera plus rigolo. Ah. C'est maintenant à la goule. Elle a combien de déplacements? 30 feet. Go go gadgeto. Gang bang sur Crimson. Oh, comment ça fait cette... C'est avec la règle en dessous de... À gauche, t'as une petite règle que tu peux sortir. Avec un rond. L'avant-avant-dernière option. Je sais pas vous dire parce que moi j'en ai beaucoup plus que vous. Du coup, elle peut pas t'atteindre sans charger, je crois. Je vois pas. L'icône, c'est un cercle avec un rectangle en haut à droite. Une règle. Ouais. Et tu peux la snap to center, snap to corner, no snapping. Ah, ok. Ok, elle peut pas t'arriver dessus sans faire de charge. Du coup, elle va faire une charge ici. Et elle va te faire une morsure. Avec du coup, 1 plus 5. 24. Bah ouais, ça touche, hein. Ok, elle te fait 4 points de dégâts. Heureusement qu'on s'est reposé pendant la nuit, hein. Moi, j'ai plus accès à ma fiche. Fais-moi un jet de... Parce que ça... De fortitude, s'il te plaît. Oh... Ok, juste une seconde... Bien sûr. Voilà... Fortitude... Voilà. Parfait.
Au moment où tu sens les crocs de la goule se planter dans ton épaule, tu sens les muscles de ton bras, puis de ton autre bras, de ton visage, de tes jambes se raidir. Ah merde, c'était une goule. Ah. Moi, je ne te sauve pas, Sierra. Je comprends. Et tu es paralysé pendant... Un tour, please. Deux tours. Oh merde. Ok. Bon, Raj et Drax, si vous pourriez vous bouger le cul, ce serait bien. Bah, c'est pas à notre tour, hein, déjà. Hein. Nous, on attend. Hein. Nous, on avait 26 de... Moi, j'avais 26 d'initiative, mais j'étais derrière. Alors, et Guillaume, je sais, j'ai un doute sur ça. Les ghouls te mettent une maladie. Est-ce que le premier jeu de sauvegarde, est-ce que tu fais un jeu de sauvegarde pour résister à la maladie? Il me semble qu'il y a un jeu de sauvegarde immédiat. Ok, fais-moi un nouveau jet de fortitude alors. Oh là là. Bah écoute, t'auras une bonne surprise plus tard dans la journée. Une bonne grosse chiasse. Excellent. Excellent. Et c'est la fin du tour de mes créatures. C'est à Amadeus maintenant. La prochaine fois, vous me laissez me buffer avant le combat. Bah, tu nous interromps et tu nous dis, excusez-moi les amis, il faut que je me buffe. Hein ? Parce que nous, on est des meurdeurs robots. Est-ce que le fait de me transformer en loup, ça... c'est une action ? Oui, c'est une action standard. Ça va consommer une de tes actions, malheureusement. Du coup, je peux pas me déplacer et attaquer en même temps. Et plus me transformer en loup. Ça va pas être possible. Non, voilà, c'est considéré comme ton action d'attaque. Tu peux te déplacer et te transformer, mais tu peux pas te transformer complètement en loup et attaquer. Tu peux sortir ta mâchoire, ça consomme pas d'action. Ouais. Tu peux faire ça sans problème. Mais la transformation en loup, ça te prend quelques secondes pour le faire et tu peux pas faire ça et attaquer en même temps. Du coup, je vais me déplacer. Je pense que Guillaume a un petit peu besoin d'aide. Non. Enfin, c'est juste une déduction. Mm-hmm. Du coup, je me place ici et puis je vais le mordre. Alors, ce que je comprends pas, c'est que j'ai pas les griffes dans mes weapon attacks, c'est normal. Je les ai pas ajoutées. Il faudra que je m'en occupe. Si tu veux les faire, on verra, mais pour l'instant. Dans tous les cas, t'as toujours ton épée, donc t'as pas vraiment besoin de griffes dans l'immédiat. Ton épée fait quand même. Des gros dégâts, surtout qu'elle est enchantée pour faire des dégâts contre les créatures maléfiques. Et tous les morts-vivants que vous affrontez là vont être considérés comme des créatures maléfiques. Donc, du coup, vaut mieux que je fasse morsure plus épée longue. Oui, alors là tout de suite tu vas devoir choisir entre morsure et épée longue. Tu peux faire les deux attaques au même tour que si tu t'es pas déplacé en gros. D'accord, je fais morsure power attack. Ok, ça marche. Fais-moi ton. Tu cliques sur le truc, s'il te plaît. Non, tu peux faire une attaque à l'épée et ensuite une morsure en attaque secondaire aussi. Non, parce qu'elle est pas en full round action. Elle s'est déplacée. Ah oui, pardon, excuse-moi. Fake news. Ok, tu t'attaques la goule, hein, c'est ça? Oui. Alors attends, par contre, Gwen, bouge plutôt ici. Oui, c'est vrai. Ah oui, comme flanking. Ça tu le flank. Comme ça t'as le bonus de flanking. Ah, pourquoi j'arrive pas à bouger par contre? Je sais pas, je peux te mettre si tu veux. Mais j'appuie sur la bouche, je Pour rappel, le bonus de flanking, c'est juste quand vous prenez un ennemi en tenaille, en gros. Vous avez des bonus quand vous faites ça. D'accord. Ok, du coup, tu fais un 25. Avec le flanking, ça fait un 27. Bien évidemment que ça touche. Et tu fais 13 points de dégâts. Amadeus, je vais te demander de décrire ton action, s'il te plaît. Il a fait quoi, Guillaume, exactement? Guillaume, il s'est précipité. Il a mis un gros coup de massue dans le squelette. Et après, il s'est fait gang-bang par tout le monde. Non, mais la goule, elle a fait quoi, Guillaume? Elle l'a mordu au niveau de du cou et de l'épaule, en gros. Je lui mords dans la colonne vertébrale, comme ça, il devient paralysé, et après, je lui arrache chaque membre. tu plantes tes crocs au niveau de sa colonne vertébrale, elle se raidit, et tu vois ses bras qui se crispent et qui tentent de se dégager. Et alors qu'elle fait ça, d'un coup sec, tu lâches ton emprise, tu attrapes son bras, tu le démembres, tu attrapes le deuxième bras, tu le démembres, et la goule pousse un cri de terreur et de douleur, et tombe au sol dans un bruit visqueux, et tu l'as tué. Elle avait 13 points de vie, tu lui as fait 13 points de dégâts, bien joué. Nice. Ok, c'est ensuite au tour de Draximus.
Yes! Très bien, t'as tué la seule cible que je peux tuer avec des flèches. C'est ça. Tu as tué la seule cible que je peux tuer avec des flèches. Donc du coup... Du coup, je me retourne. Bah écoute, mes flèches vont servir à rien. Du coup, je... Alors, en gros, tes flèches, elles vont faire 5 points de dégâts de moins aux ennemis. Donc si tu fais au moins 6 points de dégâts, tu leur fais des dégâts. Ouais, c'est... parle-moi d'un nerf. Ouais, je suis d'accord que c'est pas vraiment idéal. Et... T'as pas d'arme de corps à corps, du coup. Et c'était que la ghoul qui... Si, si, mais c'est que la ghoul qui était résistante au slashing, c'est ça? Non, la ghoul, elle avait aucune résistance particulière. Mais les... toutes les créatures faites de d'ossements, donc les squelettes et le nécrophytus, sont résistants à tout, sauf aux attaques avec aux attaques contondantes. Ah. Donc, quoi que j'utilise, en fait, ça sert à rien. T'avais jamais récupéré une si, massue? Si, si, j'ai pas de massue, mais j'ai une épée longue. Et j'ai un fléau... Si, j'ai le fléau léger de faire un froid. Un fléau. Ouais. C'est pas mal, hein. Fléau léger. Bah, je m'équipe du fléau léger de faire froid. Ok. Et t'as aussi, un sort, si tu te souviens. Oui, le Gravity Bow, ce qui fait que pendant 4 minutes, ton arc il fait 2d6 dommage au lieu de faire 1d8. Tu peux le faire qu'une fois par jour, mais ça va booster sérieusement tes dégâts. Non, j'aimerais bien être au cake un peu là. Ça fait longtemps. Mm-hmm. Puis ça pourra si t'as une massue, je te conseille de l'utiliser, ouais, ça peut être vraiment intéressant. Du coup, je peux m'équiper, foncer et taper. Oui, si tu peux. Tu peux dégainer ton arme en comptant ton action dans ton action de mouvement, ouais. Si tu peux, c'est autorisé. Très bien. Et du coup, donc c'est pas une charge vu que je suis un peu en diagonale. Tu peux changer quand même. Je sais pas si tu vas pouvoir te déplacer jusque là sans charger, à vrai dire. Je crois. Tu peux m'aider, s'il te plaît. Ah ouais, si, tu peux arriver juste là sans. Oh. Jusque là, tu peux y aller, ouais. D'accord. Bah vous êtes deux là, oui, excuse-moi, je vais me mettre là plutôt. Excuse-moi, en fait c'est juste que j'ai les caméras en fait en hauteur, du coup je voyais pas là-haut. Du coup effectivement je vais aider Syrah. Et puis je vais taper, bah écoute, si je me sou... Ici? Personne, je peux aller jusque là ou pas? Je vois. Non, tu peux aller... Crimson! T'étais ici... Tu peux aller que jusque là. Sans changer, tu peux aller que jusque là. Ouais. D'accord, ok. Très bien, et eh bien je tape. Est-ce que j'ai des bonus en plus que je me souvienne que je puisse utiliser? Ça aurait juste une attaque de mêlée, je pense. Non, skill focus, non, rapid shot, non, non, voilà. Par contre, j'ai. Rien du tout d'autre. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Oh. C'est pas top. 11 sur un squelette, malheureusement ça va pas suffire. Tu tentes de l'attaquer et il part ton attaque de ses griffes. Ok, c'est tout pour ton tour? Bah. Oui. Attends, mais c'est un crit, non? C'est pas. Elle a fait 1 là. Enfin, attends, non, parce que. Okay. Je vois les... Qu'est-ce que tu dis? Le D20 a fait 1, donc je. Non, mais je dis rien. Ok, c'est à ton tour, Sia. Bah, j'aimerais bien sortir mes dagues là, parce que c'est le seul truc que j'ai pas de d'armes contendantes. Ok. Mais j'ai des dagues. Alors, juste pour rappel, si tu as une arme équipée et que tu veux sortir une autre arme à la place, ranger ton arme et sortir tes armes, ça compte comme deux actions. Ce que tu peux faire à la place, c'est lâcher ton arme actuelle et dégainer tes armes. Ça te compte juste comme une action. Si tu lâches ton arme au lieu de la ranger, c'est quand même une action. Mais en gros, ton arme elle tombe à terre, ce qui fait que tu peux pas la réutiliser sans la ramasser. C'est pas à l'heure actuelle, c'est pas grave. Je pense que tu vas pas vouloir. Vas-y. Est-ce que je peux utiliser mon arbalète comme une arme contendante? Non, comme une arme improvisée éventuellement. mais dans ce cas-là, t'auras des gros malus pour attaquer, mais c'est pas impossible. Damn it! Genre lui mettre un coup de crosse, non? C'est... Non? Ça va être considéré comme une arme improvisée, du coup t'auras un malus de moins 4, je crois, en plus de ta force qui est déjà à moins 2. Non, égal. Merci. Non, bah je lâche l'arbalète et je sors ma dague. Il fait jour dehors, en fait?
Oui, là, c'est le matin. Ok. Je sors ma dague. Je sors ma dague. Et attends, parce que d'abord, je me déplace. Est-ce que si je me déplace, genre là, de l'autre côté, c'est possible? Oui, tu peux faire ça. Tu peux dégainer tes armes pendant ton action de mouvement. Ça passe. Ok. Pourquoi j'arrive pas à déplacer mon personnage? Parce que tu as la règle sélectionnée. Faut choisir le curseur. Oui, oui. Je suis fatiguée. Ok. Non, c'est bon. Ok. Flank, c'est dommage. Je peux pas. Si. Oh non. 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 Là, c'est du. Ça va. Pas vraiment. Non. Je me mets quand même de l'autre côté. Ça, c'est là. Flanqué, si. À chaque fois, j'ai un doute, mais il me semble que c'était flanqué, que c'était vraiment de part et d'autre. Non. Si tu traces deux lignes, par rapport deux lignes verticales ou horizontales, et si ils sont des deux côtés de la ligne, c'est bon. Je vais l'accorder pour cette fois. Faudra vraiment que je revérifie ça, parce que chaque fois j'ai des doutes. Je l'ai relu trois fois, c'est réglé. À chaque fois, je suis plus sûr. Vas-y, fais-moi grosso ton. Grosso modo, imagine que c'est un carré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Draximus est à 7. Sierra est à 6. Ouais. Si Sierra était à 9, ça marcherait pas. Mais si elle était à 3, ça marcherait. Donc si j'étais là. Je suis pas certain. Là, ce serait pas flanqué. Là, c'est flanqué. Parce que si tu traces les deux lignes ici et ici, c'est bon. J'ai pas envie de débattre de ça maintenant, de toute façon. Okay. Mais je sais que j'ai relu à chaque fois, et à chaque fois, je suis pas certain et c'est pas super clair. Mais vas-y, considère-le pour flanquer maintenant. Ok. Donc, dague. Moon. Submit. Moon. Moon. Oh là là, mais c'est joli. Oh. En tant que attaque. Attends, c'était quoi déjà le nom du. Oh punaise, où est-ce qu'il est? Tu veux faire ton assault leader? Tu peux le faire qu'une fois par jour, donc c'est un peu un overkill pour un seul mob, mais tu. C'est pas. C'est quoi? C'est son nouveau talent. Qui fait que quand elle rate une attaque flanquée, elle peut faire quelque chose. Est-ce que tu veux le faire, Cheyenne? Juste pour le principe de montrer tes nouveaux skills. Vas-y, allez. Draximus, fais-moi une attaque d'opportunité. Draximus, Joff. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas suivi. Sierra est en train de nous montrer ses nouveaux skills. Elle vient de rater une attaque, ce qui fait que tu as une attaque d'opportunité gratuite. Ninja. C'est pas mal. Elle peut faire qu'une fois par jour, mais si elle rate une attaque qui est considérée comme flanquée, elle peut donner une attaque d'opportunité gratuite à l'autre personne qui flanque. C'est pas dégueu. C'est pour ça que je me suis déplacé. Est-ce que... Non, charger ça donne des bonus d'attaque, mais est-ce que je peux charger à cette distance? Non. Attaque d'opportunité, c'est juste une attaque de base, et non, tu peux pas charger si t'es déjà encore. Il faut au moins 3 mètres de mouvement pour pouvoir charger. Ah bah, c'est déjà mieux. Ça s'améliore de peu. Oh, putain, je suis vraiment désolé, mais il a 16 de classe d'armure. Oh non! Bah nerf tes créatures aussi, on est nul à chier! T'as pas du tout de bonus de. Ah non, ok, je suis pas de bonus, c'est rien. Mais non, mais en donjon, t'as pas un plus 1 au. Ça donne pas pour les combats. Pas au combat? Ok. Ça donne pour le. Initiative, knowledge, perception, stealth et survival. C'est tout ce qui nous aide pas. Ok, non, mais voilà. Je suis pas d'accord. Ah, désolé. C'est ensuite à Rage. Alors, Rage. Rage va faire Fireball. Rage, il va commencer par se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas soigné Rage? Pas plus que ça, il me semble. Non, mais vous lui avez redonné les points de la nuit ou pas? Tu t'es claqué un soin pour toi et un soin. Ouais, elle avait 12, elle est passée du 8. Tu t'es claqué un soin pour toi et un soin pour. Ouais, j'aurais dû faire un soin léger pour elle. Pour Rage au moins.
C'est pas grave, Raj il va aussi claquer un sort, hein, parce que... Elle en a pas mal maintenant. Il en a des sorts, donc allons-y. Oh. Tu as la liste de tous ces sorts sur la fiche de personnage. Hein, ouais. Mais je l'ai ajouté sur mon spell tracker. Bien sûr. Comme ça, c'est plus simple pour moi pour suivre. Bien sûr. Ça va être un Scorching Ray dans la gueule du serpent. Carrément. Oh, bah, okay. Là, on va pas faire dans le détail. Hein. Allez hop. Ok. Alors, ça fait combien de. Ça marche comment? C'est un touch attack ou c'est un. C'est un range touch attack. Oui. Alors. Ok. Vous voyez tous Raj qui s'approche, qui a un air très sérieux, très très grave, et qui concentre son énergie, qui fait un mouvement de main. Vous voyez un rayon de feu qui passe de sa main gauche à sa main droite. Je re-lag, je vois pas. 8 en range. Et c'est pas du touch, j'imagine, en plus. Si, c'est du touch. Ouais, ça va pas suffire. elle charge son énergie, vous voyez, un rayon de lumière et de feu qui passe de sa main gauche à sa main droite, fait un mouvement brusque et un rayon de feu se précipite en direction du serpent qui, d'un mouvement brusque, l'évite et elle vient cramer la table qui est derrière, qui prend instantanément feu. Ok. Bon, bah on a foutu le feu et on n'a pas tué le truc, c'est bien. c'est ensuite au serpent à nouveau. Ok. Alors. Le serpent va s'avancer juste ici et il se mettre à onduler doucement et de mais plus en plus. Mais ne le regardez pas. Mais on fait pas ça. Moi, je peux pas, je suis paralysé. Faites-moi tous un G. C'est un petit peu la musique, c'est un petit peu fort. Faites-moi tous un G de volonté, je crois. Oh, c'est Will, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est Will. Alors j'ai un peu trop Will. Will. Ouais, faites-moi tous un jeu de volonté et on va voir ce que ça donne. Merci. Y compris moi parce que je peux pas le voir. Non, toi non. De toute façon, t'es déjà paralysé. C'est où volonté déjà? Je sais même plus où c'est. C'est au niveau de tes défenses, tu dois avoir fortitude, will et réflexe. Tu fais comment? Tu fais contrôle F quand t'es vassu. Ah, c'est pas mal. C'est en dessous de ta classe d'armure. C'est bon, t'affiches dans Ils sont pas trop dégueux, les gens. J'avais oublié, il faut que je le fasse pour... T'as dit willpower? Pour ouais. Rage. Noise. Uff. Eh ben dis donc, Rage et... Pourquoi Rage à la rage. Ah oui, non, c'est Rage. Ok, c'est bon. Parce que ça me dit Crimson, donc je suis perdu. Parce que c'est Crimson qui a fait le G? C'est Crimson qui a fait le G pour Rage. Voilà. Crimson et le Master of Puppets. Pardon. Par contre, GM, on t'entend plus. Ah oui, on l'entend pas, ouais. Ouais, Edward, on t'entend plus. Est-ce que c'est une grosse perte? Bah, disons qu'on peut pas vraiment continuer sans lui. Ou alors sinon, on tue tout et puis on dit qu'on a fini. Ouais. Moi, je vais être concentré en tout cas. Je suis ok avec ça, Sierra. Ça me semble bonne option. C'est... Ouais, voilà. Hein. Bon. Tiens, bah d'ailleurs, tant qu'il ne nous entend pas, Sierra, quand on sera niveau 7, on prendra tous les deux outflank. Et toi, tu iras sur un mec, moi, je me téléporterai derrière lui et ensuite on leur cassera la tête tous les deux. Yes! Puis en plus, avec Assault Leader, ça va trop le faire! Vas-y, on fait ça! Et d'ici là, j'aurai aussi pu prendre le temps de me buffer sur mes trucs et ce sera rigolo. Chaton! Ah, maintenant le chaton il a frisé. Oh! Non, il a juste laissé à l'écran à un moment. MJ, que se passe-t-il? On l'a perdu. Michael Jackson. C'est comme ça marche pas, je reviens dans 2 minutes.
On peut faire une petite pause de 10-15 minutes sinon. Je crois qu'on va prendre. Ouais, je crois qu'on va. C'est bien, on va parler du coup. On décide de prendre une pause de 10 minutes. Voilà, on fait une petite pause. On vote tous pour. Allez, on vote. On vote. 10 minutes. Allez, on revient. On est tous. Alors.
Maintenant. Ah, t'avais coupé le stream ? Oui. Oui. Parfait. Ok. Donc désolé pour ce freeze, ça devrait être bon maintenant. Alors, vous aviez le... Necrophidius avait commencé à faire une danse et tout le monde autour avait pu la voir. Vous sentez tous un peu absorbés par les mouvements de ce serpent qui vous hypnotise et vous concentrez toute votre énergie, vous essayez de toute votre force mentale de dévier le regard et de vous concentrer sur autre chose et vous parvenez tous à vous concentrer sur autre chose. À l'exception de Draximus qui est paralysé. Comment ça ? Pardon. Je suis pas paralysé. D'ici 13, donc t'as fait 12, t'es passé en dessous. Ah, pardon, d'ailleurs, pardon, il ne pouvait pas se déplacer quand il faisait cette action. Je recule un peu, mais ça fait pas de différence. 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Tout le monde est quand même concerné. Mais je le regardais pas, comment ça se fait ? Tu... Attends, je le regardais si pas, là. Sauf si tu me dis explicitement que tu le regardes pas, etc. Et encore, enfin, bah, vu ma position et vu le squelette, je suis. Alors, en fait, le truc c'est que dans les règles de Pathfinder, il n'y a pas de règles concernant la direction dans laquelle tu faces. C'est pour ça que tu peux jamais attaquer de dos. La seule chose que tu peux faire, c'est flanking, parce que ils considèrent que les personnages sont toujours en train de regarder un peu tout ce qui se passe autour d'eux, etc. Pour s'assurer de pas se faire prendre. On a une vue à 360 degrés, quoi. C'est un peu ça. Ok. Tu es paralysé pendant un tour. C'était un des quatre. Hein, donc, rembourser nos invitations. Rembourser. Ok. C'est au tour de Crimson. Tu es paralysé. Du coup, tu ne fais rien pour ce tour-là. J'ai même pas droit à un nouveau jet de fortitude. Il me semble pas. Je vais vérifier si tu refais un jet de fortitude par tour. Je suis pas certain. J'espère, parce que sinon c'est un peu casse-pied. Unlike all persons on similar effect, a paralysis effect does not allow a new save each round. Cool. Ok. C'est au tour du squelette. Celui qui a déjà tapé Sierra va réessayer. Mais Un des 20. Plus 2, et il va, vu qu'il se déplace pas, il va t'attaquer avec ses deux griffes. Il te fait un 21, ça te touche. Mais sa deuxième attaque te touche aussi, putain. Mais Alors, attends. Ouais, non, je t'ai sauvé la dernière fois, tant pis pour toi. Attends, mais je peux pas dodge. Ça fait partie de ta... De ta classe d'armure en fait. Tous tes bonus défense font déjà partie de ta classe d'armure. Du coup, ça fait déjà partie de ton 20 pour te toucher. T'as juste vraiment pas eu de chance. Uncanny dodge et tout ? Uncanny dodge, c'est pour certains effets bien particuliers, genre les explosions et ce genre de choses. Il me semble en tout cas. Est-ce que tu peux me lire ce que ça fait ? Uncanny dodge ? Ah merde, je l'ai pas noté, attends. Ah oui, attends, t'en fais pas, je vais. Mais oui, non, c'est ça. C'est genre les effets qui demandent un jet de réflexe. Non, attends. Il me semble que c'est ça. Uncanny dodge, c'est pas le fait que tu peux pas être flanqué ? Ah, c'est peut-être, il y a les deux, je confonds peut-être les deux. Uncanny dodge, je l'ai là. Uncanny dodge, tu peux réagir au danger, blablabla. Tu ne peux pas être flat-footed, tu ne perds pas ton bonus à la dextérité si l'attaquant est invisible. Blablabla. Non, c'est juste qu'en gros tu peux pas être flat-footed, tu peux pas, même si une créature est invisible, tu peux quand même te défendre. En gros, t'as des espèces de réflexes un peu surnaturels sur certaines attaques bien particulières. Mais pas là-dessus. Okay, ouais. Désolé. Damned. Too bad. Pardon. Oh, un peu fort la musique. Pardon. Très funky. Ouais. Tu prends 9 points de dégâts au total. Et puis il pique ce squelette. Ok. Le deuxième squelette va attaquer Crimson. Est-ce que... Pardon.
Attends, il s'est redéplacé le Cobra Starship là ? Non, en fait, je me suis rendu compte. Je l'avais bougé là. pour le principe, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le droit. C'est une full round action de l'action que j'ai fait. Ah, d'accord. C'est pas déplacé. C'est my bad. Est-ce que quand t'as la paralysie, tu perds ton bonus à la dextérité, j'imagine ? Oui, donc 19 de classe d'armure. Ok, ça marche. Il va te faire la même chose. Il va te faire deux attaques de ses griffes. 3, bah bien sûr. Et 10. Ok, pas de soucis. Tu es immobilisé à terre, complètement sans aucun mouvement, et il te rate. Il tape à côté. Immobilisé, je suis debout, et il tape mon armure sur laquelle j'ai oublié de lancer un sort. Damn it! Ah, tu voulais lancer ton. J'ai oublié tous mes buffs et mes trucs comme ça. N'importe quoi. Mais ouais, il essaye de te faire des dégâts et de te blesser, mais ton armure résiste très bien au coup. Il fait quand même mal à mes sentiments. Tout à fait. C'est à la goule de jouer qui est maintenant une flaque au sol. Du coup, c'est à Amadeus. Très bien. Petite question. Est-ce que. Attends, pardon. Il y a encore un squelette. J'ai oublié le troisième squelette. Le squelette archer. Désolé pour ça. Et il va attaquer. Il va t'attaquer toi, Amadeus. C'est celle qui est le plus écartée à l'heure actuelle. Ou alors. Ouais, il va t'attaquer toi. C3. Putain, mais c'est quoi ces G encore là ? Oh là là. Je crois qu'il ne te touche pas. Non, il te touche pas. Dis-moi. Est-ce que j'ai besoin de me déplacer pour attaquer le squelette ? Oui, mais tu peux faire un seul pas, ce qui fait que ça compte pas comme un déplacement à part entière. Tu peux faire toutes tes attaques, si c'est ça la question. Du coup, je peux faire ça, me transformer en loup et l'attaquer. Tu peux pas te transformer en loup parce que c'est. Si tu te transformes en loup, ça va, tu peux pas attaquer. Non, je crois que c'était ça mangeait en gros le déplacement. Okay. Ça mange une attaque. En fait, te transformer en loup, ça dure jusqu'à une heure. Donc en général, c'est mieux de le sortir, avant un combat difficile, etc. Ouais. Okay, ça dure une heure entière, tu peux le claquer bien en avance. Oui. Tu peux quand même faire tes deux attaques. Je vais faire morsure épée longue. Ok. Fais-moi du coup ta double attaque. Normalement, je t'ai mis un bouton avec les deux attaques. Est-ce que tu les fais en power attaque ou pas ? Je peux pas. J'ai pas le truc en power attaque pour morsure. Tu l'as pas, mais tu peux. C'est juste parce que je l'ai pas mis. Mais si tu veux. Ah tu peux d'accord. Ok. Bah, je le rajoute aussi. Ok, ça marche. Alors ton épée longue fait 18 moins 2, donc ça fait 16. Elle touche. La morsure ne va pas toucher. Ok, du coup elle fait 6 points de dégâts plus 2 au squelette. Tu t'approches d'un pas du squelette, tu tentes de le mordre et il évite, et d'un revers de ton épée, tu l'abats au niveau du torse, tu entends un craquement au niveau de sa cage thoracique et de son. Sa colonne vertébrale, et il se casse en deux et tombe au sol devant toi, et il est mort. On s'en fout de ce soir. Ok. C'est la fin de ton tour, à moins que tu veuilles faire autre chose, mais t'as plus d'action. À moins que tu veuilles. Je sais pas ce que tu pourrais faire. Non, mais je suis bien là. Ok, ça marche. Après Amadeus, c'est à Draximus qui est paralysé. Ça te compte ta paralysie pour ce tour-là. C'est ensuite à Syrah. T'avais fait un si bon score, Draximus. Syrah qui a très mal. Bah, j'essaye quand même de l'attaquer à la dague parce que j'ai pas trop de choix. T'avais pas une deuxième dague ? Bah si. Tu peux faire une full attaque et attaquer deux fois. Ok, donc attends, parce que donc je fais deux attaques à la dague. Ouais, et dans ce cas-là, tu vas avoir un malus de moins. Tu vas avoir un malus parce que t'es pas formé aux armes de main. Quoi ? Bah, t'as pas two-handed. La fit, ouais. Alors, du coup, tu utilises des armes légères, donc tu vas pas avoir une grosse pénalité. Si, quand même. Tu vas avoir moins. C'est moins 6, moins 4. Ça vaut pas le coup. Moins 6, moins 8, moins 4 même.
Ah ouais, non, c'est pas ouf. Ouais, du coup, tu vas avoir moins 4 sur ton arme principale et moins 8 sur ton arme secondaire. En effet, c'est pas ouais, ouf. Ouais, non, je vais utiliser une seule dague. Ok, ça marche. Fais-moi ton attaque, du coup. Mais au fait, il y a un grésillement quand tu parles, je sais pas si... C'est Edward, ouais. Mm-hmm. Je sais pas d'où ça vient, je vais quitter et rejoindre. C'est peut-être un faux contact. Ça peut être ça, ouais, je vais peut-être vérifier ça. Attends, vas-y, parle. Là. Ah non, on l'entend toujours un peu. Moi, je vous entends toujours un peu. Là, il y a un écho, c'est fou. Oui. Est-ce que ça va à peu près ou c'est vraiment chiant? Oui, là, c'est bon. Ok, nickel. D'ailleurs, on a oublié ta sneak attack ces deux tours précédents. Mais c'est parce qu'elle a raté son attaque ou... Ah oui, ok, c'est vrai. Ok, autant pour moi. Mais celle-là, là, la sneak attack. Fais-moi tes 2d6 du coup. Je sais pas si t'es censé sneak attack, si t'es censé considérer comme flanqué quand ton partenaire de flanking est paralysé, mais bon, soit. On va dire oui. Hein. Allez. Je pense pas qu'il y ait de règles spécifiquement sur. Il me semble que si. Ok. Tu fais au total donc 12 points de dégâts, même malgré la résistance du squelette, ça passe sans problème. Tu saisis ta dague et tu brises les os au niveau de ses jambes, il tombe au sol et tu l'abats d'un dernier coup de dague au niveau du crâne. Le squelette est détruit. Ok. Enfin. Le petit squelette de merde. Ils auraient bien pété les burnes. Ouais. Juste un peu. Rappelle, ouais, ils ont 4 points de vie les squelettes, hein. C'est pas des gros trucs. Ok. Pas la peine de remettre le couteau dans la plaie. C'est ta rage et ensuite ça va être au Nécrophilus. Tout d'abord. Rage, il change pas une équipe qui gagne. Hein. C'est pas notre équipe qui gagne. Ouch. Est-ce que ça marche ça? Il faudra que tu me dises comment t'as rentré les sorts comme ça. Alors, malheureusement, c'est automatique. Les sorts de base, tu peux les rentrer automatiquement. Par contre, tous les sorts qui viennent d'autres livres, ils sont pas dans le... Moi, j'arrive pas à les rentrer, les sorts, sur ma fiche de perso. Je te montrerai si tu veux. Tu peux les faire manuellement, c'est juste que là, pour Scotch Ringer, etc., c'était très pratique. Je peux les faire manuellement parce que c'est super long. Bah, c'est ça, en fait. C'est que ceux de... Tous les sorts de base, tous les sorts qui sont dans le core rule, ils sont sur Roll20. Et du coup, tu peux faire un cliquer glisser. Tous les sorts, par contre, qui ont été ajoutés par des... D'où est-ce que tu fais le cliquer glisser? Alors, si tu vas sur le... Est-ce que tu vois le i tout en haut à droite? Normalement, on le voit. Non. Si, en haut à droite, à côté du chat, information. Librairie, information. Information, ouais. Au-dessus du chat, etc. Ouais, ok. Si tu vas sur le 8, t'as toute la bibliothèque de Pathfinder, t'as les mobs, t'as les sorts, etc. Et du coup, tous les sorts de base sont dedans. Du coup, si tu tapes le nom d'un sort, là, il peut apparaître. Mais ils vont pas tous apparaître. Ok. Ok, du coup, 18, c'est son jet de toucher, c'est ça? Ouais, c'est le range touch attack. Et 14 okay. Points de dommage. Par que c'est... Attends, il sort d'où le plus 4? Elle a fait 14, plus 4? Ouais. Mmh. Plus 2 de dextérité, plus 2 de bonus de base à l'attaque. Ah, ok. Logique. Ça marche. 18 sur le Nécrophilus, ça touche sans problème. Et en dégâts, 14. Ok. À nouveau, Rage se concentre. Met ses mains ensemble, les sépare, vous voyez, le rayon d'énergie qui se sépare de ses mains et elle tend la paume de sa main vers le Nécrophilus et cette fois-ci un rayon très puissant et très chaud le touche de plein fouet et vous voyez ses os noircir et vous sentez une odeur de putréfaction brûlé, de putréfaction parce qu'il n'y a pas de chair mais de comment dire pas de, c'est presque de poils et de plein de choses qui se brûlent. Et la créature se tord presque de douleur et petit à petit s'immobilise et tombe au sol.
qui a fait un barbecue. Et il en reste plus qu'un. Il en reste plus. There can only be one. Il en reste. J'ai oublié celui en bas. Ouais, il reste l'archer. Ok, le Nécrophidus est hors combat, ou en tout cas il en a l'air. C'est au tour du Nécrophidus qui bouge pas, et c'est à Crimson. Est-ce que c'est ton deuxième tour de paralysé? Je crois que oui. Tu es toujours paralysé, je crois. Je suis toujours paralysé, ouais. Ok. Et ça va être au squelette qui va réattaquer Amadeus. Une dernière fois. Non, il est bien rapporté là. Moi, il va te réattaquer une dernière fois. Il te fait un 21. Pas mal. J'ai 21 d'armure. Ça touche. T'as 21 d'armure, mais quelle saloperie. Il va relancer s'il lance un 19 sur son dé. Hein. Est-ce que tu peux faire ça en étant paralysé? C'est un peu. Je suis paralysé physiquement. Toutes mes capacités mentales. C'est vrai, ok. C'est logique. Ton argumentation a du sens. C'est un 6. Sa flèche se plante, passe juste entre vous tous. Ici, là, elle passe à quelques centimètres de vous tous, mais ne touche personne. Et le squelette ne peut pas parler, mais s'il pourrait, il le jurerait très violemment. c'est ensuite à Amadeus. Qu'est-ce que tu fais? Il est un petit peu loin quand même. Hein. Tu peux faire une charge. Ouais, vas-y, je fais une charge. Mais du coup, en faisant une charge, je peux faire quoi comme exactement comme attaque en même temps? En fait, une attaque. Alors, en fait, il est juste à 30, donc tu peux même te déplacer normalement. Mais en fait, quand tu fais une charge. Quand tu fais une charge, c'est-à-dire que tu fais un mouvement et une attaque en même temps, ton attaque va avoir des bonus, mais tu vas avoir des malus au prochain tour pour te défendre. C'est une action offensive. Est-ce que tu charges ou c'est une attaque normale du coup? Une attaque normale. Ok. Power attack Non, je préfère. Ouais, morsure power attack, je préfère. Ok. Fais-moi ton clic, s'il te plaît. Oui. Oh là là, mais c'est G. tu veux le nonas? Wow, tu laisses faire. Décris-moi ton action, lui. Okay. Je prends en entier dans ma bouche et je l'écrase dans ma mâchoire. Wow. Tu saisis sa cage thoracique dans ta gueule et tu forces un peu, tu entends les craquements, tu forces un peu plus et tu sens ta mâchoire qui se referme dans un craquement sinistre et les morceaux nom, de nom. D'ailleurs, juste un truc, vu que t'es niveau ouais. 4 et que ton bonus de base à l'attaque c'est plus 4 maintenant, quand tu utilises Power Attack, ça te donne un malus de 22 et un bonus de plus 4 au dommage. Est-ce que tu peux répéter, Draximus, il a toussé en même temps? À chaque fois que ton bonus de base à l'attaque est un multiple de 4, tu augmentes le malus de Power Attack de moins 1 et tu augmentes les dégâts de plus 2. Ok, ça marche. C'est pas un choix, t'es obligé de le faire au maximum. Ouais, donc c'est moins 2 pour toucher, plus 4 aux dégâts. Est-ce que t'as compris ce que ça veut dire, Amadeus? Spécialement. En gros, vu que t'as maintenant plus de puissance, l'effet de ta power attack est plus puissant. Donc tu vas avoir des plus gros malus et des plus gros bonus quand tu utilises ta power attack. Du coup, ça change pas que c'est ça, tu m'affiches? Oui, il va falloir que je le mette à jour. Mais en gros, avec ta power attack, t'as moins de chances de toucher, mais tu fais plus de dégâts. Maintenant, tu vas avoir beaucoup moins de chances de toucher, mais tu vas faire beaucoup plus de dégâts. Enfin, pas beaucoup, beaucoup, mais le bonus et le malus vont être d'autant plus importants. Ok, le silence retombe dans la salle. J'ai été tellement utile. t'as donné le flanking à Sierra. T'as fait un très bon score en initiative, je crois. Ouais. C'est vrai, oui. Prends ton pote, tire tes flèches et arrête de casser les pieds. Bah, la fois dernière, c'est ce qu'il a essayé, ça n'a pas marché non plus. Non, ça, si, j'arrive à toucher. Mais on se plaint que j'étais trop loin, blablabla. Bla, bla. Okay. Je vais demander à tout le monde de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Perception. C'est des beaux gestes, hein. Mmh. Ouais, quand y'a pas de combat, ça va. C'est pas paralysé, là. Alors, vous remarquez tous plusieurs choses. Vous remarquez déjà ici... Sauffrage. Sauffrage. Rage à l'air.
Ouais, je l'ai tué, ouais. La puissance. Vous remarquez, donc comme je l'avais dit, ici il y a des bibliothèques qui sont pleines. Pardon, ici il y a des bibliothèques qui sont pleines de parchemins, qui ont l'air très anciens, etc. Vous remarquez au sol. Blablabla, c'est bon. J'essaie de trouver un token qui colle à peu près. Voilà, ça va aller très bien ça. Ici, il y a le cadavre de quelqu'un, un humanoïde, qui a l'air à moitié caché derrière la table. Ouais. Un peu grand, soit. Et surtout, si tu cliques dessus, tu fais clic droit et que tu le mets en drawing, tu peux l'ajuster. Clic droit en drawing ? Attends, je sais plus si c'est clic droit, mais si tu cliques dessus, t'as une option pour le mettre en drawing. J'ai pas ça, comme un c'est dessin. Peut-être une option. Non, normalement tu l'as. D'abord. Ah, is drawing. Ouais, et du coup, c'est pas considéré dans les cases. Et ah, ça compte pas le snap. Ok, cool, ah, c'est bon ça. Je sais qu'il y a une touche pour faire ça, mais à chaque fois je galère à trouver. Ok, merci. Et outre ça, vous remarquez surtout qu'ici, à la porte, il y a une espèce de... comment dire, de barreaux sur la partie haute de la porte, vous pouvez voir à travers, et vous voyez des mains qui se retirent de la porte, à ce moment-là. Des mains squelettiques, des mains... Vous voyez ça du coin de votre œil au moment où ça se retire, et vous en êtes pas certain. T'as pas l'impression, t'as l'impression que c'est des mains plutôt un peu boudinées, mais tu penses avoir vu des mains. Comme si quelqu'un était en train de vous observer et s'était reculé à ce moment-là. Edouard, c'est la porte là ? Ouais. Ok. Moi je vois qu'il y a un caractère. Ouais, je voulais voir le corps moi. Je vais me diriger vers le corps et. Et voir déjà s'il a l'air décomposé comme les autres ou s'il a l'air un peu mieux. Il est en partie décomposé. Tu peux déterminer qu'il est mort il y a quelques jours, quelques semaines au maximum. C'est un cadavre plutôt récent. Et c'est un cadavre humain. Il porte une épée qui est à côté de lui, qu'il a lâchée probablement au moment de sa mort. Je ramasse son épée. C'est juste une longue sword classique. Je balance son épée. Et tu remarques qu'il a, il a aussi un parchemin dans sa ceinture. Il a coincé dans sa ceinture, il a une espèce de vieux parchemin. Du coup, tu prends le parchemin. Bah, évidemment, l'épée, on la prend pour la revendre. Hein. de la ferraille et puis le parchemin, ouais, je vais bien le prendre et voir ce qu'il y a dessus. Quand j'imagine tu déroules que le parchemin, mais... j'imagine que c'est pas écrit dans le plan. Tu déroules le parchemin, tu l'ouvres et il y a simplement une phrase en plein centre du parchemin qui dit où êtes-vous. Alors il a cru que c'était un texto le mec ou Où êtes-vous? Ok. Est-ce que je peux faire un jet de connaissance mystère pour voir. Rage et moi. Faites-moi ça si vous voulez. Pour voir si. Parce que ça ressemble à peut-être un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Un vin, ça passe. C'est pas un objet particulièrement rare. C'est en effet un parchemin de communication. De ce que tu en sais, c'est en général un parchemin qui se vend par paire, et ce que tu écris sur l'un des parchemins se réécrit, enfin, est visible sur l'autre parchemin. Un talkie-walkie, quoi. C'est un talkie-walkie très basique, ouais. Mais c'est MSN. Bon, là, j'ai honte de moi parce que je pense que je me souviens de son nom maintenant. Tristan ? Oui. Oui. Je devrais pas me souvenir de son nom, je devrais me souvenir Tartan, de oui. Bref, qui nous a dit qu'elle avait envoyé des gens dont elle n'avait plus entendu de nouvelles. Ah. Donc est-ce qu'on peut supposer que le deuxième parchemin est avec elle? Et est-ce qu'on a un moyen de voir la communication précédente là-dessus? C'est le seul message que tu vois. C'est un historique des conversations. Alors, Oui, Amadeus. Je suis idée d'écrire un nouveau message au parchemin pour qu'il soit envoyé. Oui, on peut. Tu peux essayer. Est-ce qu'on peut écrire « Nous sommes dans l'endroit où nous sommes, venez nous chercher ». Mais non, elle va venir. Alors, et elle va nous voir. Si tu regardes un peu autour, il y a
dans les bibliothèques, il y a beaucoup de parchemins et il y a aussi des plumes avec des plumes qui n'ont, il n'y a pas de, comment dire, d'encre. Il n'y a pas d'encre, mais il y a des plumes qui servent à écrire un peu partout. Bah, il y a du sang, il y a quelque part, on peut écrire avec du sang. On peut prendre le sang du cadavre. Il y a que mon sang qui est là, et non, vous n'écrivez pas avec mon sang. Si. Il y a celui-là aussi. Ouais, c'est un peu blessé. Les ghouls, ça saigne ou pas? Bof. c'est très sec. Est-ce que je peux redemander à Crimson, Amadeus et Draximus un jeu de perception, s'il vous plaît? Bien sûr. Oh, alors, quand vous attrapez une des plumes, il y a immédiatement une espèce de liquide noir un peu rougeâtre qui se met à perler au niveau de l'extrémité de la plume. Dès que tu la saisis, elle est sèche. Au moment où tu la saisis, il y a un liquide qui apparaît à ce moment. Alors qu'ils sont un peu concentrés sur les plumes, Amadeus, tu remarques en haut d'une des étagères ici, il y a un tome assez épais qui a l'air d'être dans un assez bon état. Tout le reste c'est des parchemins ou alors des quelques pages assignées ensemble, et c'est le seul grimoire, le seul ouvrage qui a l'air d'être présent. Du coup, je le prends, évidemment. Entre parenthèses, il y avait combien de plumes comme magique comme ça? Évidemment, touche l'objet magique dont tu ne sais rien. Il y en a une dizaine. Ne demande pas à tes mages de vérifier qu'il n'y a pas des pièges. Ne demande pas à ton voleur de vérifier qu'il n'y a pas des pièges. A priori, rien ne se passe quand on l'attrape. Je collectionne toutes les plumes magiques. Hein. Bon, on s'en va. Ok. Et encore une fois, il a dit a priori. Sérieusement. N'appuyez pas sur ce bouton. Pochet. Je regarde le livre et je me dis que ce serait quand même une bonne idée de vérifier s'il y a quelque chose de Kristen, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu l'as déjà attrapé. Mais c'est pas encore ouvert. Le Necronomicon. La mort du loup. si tu fais une détection magique Crimson, tu remarques que le livre n'a aucune aura magique. S'il a été magique par le passé, il ne l'est pas. Je vais ajouter Je t'ai ajouté le livre dans ton inventaire. Si tu regardes dans le journal, dans l'option journal en haut à droite, dans inventaire, tu dois voir le tome qui est présent ici. Est-ce que tu le vois? À qui est-ce que tu t'adresses? À Amadeus. Je suis pas sûr de voir où tu es. Alors, si tu vas en haut à droite, tu as une espèce de petit journal à côté du i, tu le vois? Ah oui, là, oui, c'est bon. Là, tu as toutes les fiches de personnages, tu as inventaire aussi. Et tu dois avoir le tome dans inventaire, tu le vois? Oui, Tom Dacotoy. Voilà, si tu veux, tu peux y jeter un œil maintenant ou plus tard. Ok, est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre? Donc parmi les parchemins autour, il n'y a rien d'autre d'intéressant? Il y a beaucoup de parchemins. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Ils disent quoi les autres parchemins, vaguement? Qu'est-ce que j'aperçois? Quand tu prends des parchemins, tu es maudit, tu meurs. Ah! Bon bah salut! tu ouvres le. Alors. Attends deux secondes. Tiens d'ailleurs, pendant qu'ils font ça, est-ce que je peux lancer heal pour essayer de me soigner un tout petit peu, genre que je tombe pas en syncope? Tu vas pas tomber en syncope. Tant que t'es pas dans le négatif, tu vas pas tomber en syncope. Je sais, mais je vais dire. Draximus, quand tu essayes de lire les parchemins, le premier sur lequel tu tombes est écrit en elfique. Et en gros, ça a l'air d'être un contrat légal qui lie deux entités. La première entité étant décrite comme le culte, et la deuxième entité étant comme la personne qui signe ce contrat.
Et en gros, ça décrit, c'est un contrat qui décrit et explique en détail les conditions de ce qui va être fait au corps de la personne qui signe le contrat après sa mort. Et okay. Du fait que le culte aura librement le droit de profiter de son corps, etc. Et ça a l'air de parler d'une transaction pécuniaire en échange. Je propose un vote à tout le monde. Pas de refund, pas de return, pas de service après-vente. Je propose un vote à la communauté, disant que tout ce qui se trouve ici, on le brûle. Le tome y compris, ça change. Il n'y a rien à plier, moi je suis d'accord. Hein. En fonction de. Il n'y a rien de shiny. En fonction de ce qu'il y a dans le tome aussi, on risque de le brûler aussi. C'est pas là pour la magie. C'est quoi ? Moi je suis contre ça. Ah non, mais pourquoi pas de nécromancie, et tout ce qui est nécromancie, ça brûle, ça disparaît. Ça c'est juste un. Et qu'on pourrait récupérer le savoir pour l'utiliser. C'est juste un contrat légal, ça, il n'y a aucun intérêt à le détruire. Mais ça va inspirer d'autres personnes et tout ça. Il n'y a aucun intérêt à le garder non plus. Bah, tant qu'ils ont. S'ils n'ont pas accès aux divinités en question, il n'y a aucun. Ou au culte en question. Mais pas autant donner de. Un contrat qui est complètement caduque. Ne pas autant ne pas donner d'idées à d'autres personnes qui pourraient obtenir ces contrats. Crimson, d'ailleurs, vu que tu as fait la détection magique un peu plus tôt, je vais considérer que c'est toujours actif. Il y a bien une aura magique très faible qui a l'air de s'effacer petit à petit de la plupart des contrats. Certains ont l'air d'être un peu plus puissant ou un peu plus actif que d'autres. La plupart sont quasiment inactifs, la magie qui les abritait autrefois est quasiment morte, mais c'est pas des simples contrats, c'est pas un simple contrat, c'est un contrat magique. D'accord. Encore une fois, je recommande encore plus de ne pas cramer tout ça, parce que brûler un objet magique, dans le meilleur des cas, ça ne fait rien, et dans le pire des cas, ça explose. Bah écoute, on peut faire en sorte que ça brûle un petit peu plus tard, genre on fait une chaîne d'événements pour que ça ait brûlé tout ça, et on a assemblé ce temps de sortir. Bon, on regarde d'abord ce qu'il y a la pièce d'à côté, mais moi je veux tout cramer. Je veux pas que tout ça donne des idées à d'autres personnes, qui à l'autre connasse là qui va rentrer dans le temple et qui va bidouiller avec tout ça. J'ai pas envie que ça reste. Alors Tristan, elle était clairement à la recherche de Richesse, entre autres de richesse, mais aussi de connaissances qu'elle pourrait revendre. Et ça, justement, ça pourrait faire partie des choses qui pourraient l'intéresser. Voilà. Donc, du coup. Rachèterait combien ? Ça, je peux pas vous dire. Non, ça, je revends pas ça, moi. Non. Ça, on lui dit, il y a eu un accident dans la salle. Il y a eu un accident dans la salle. On a fait quelque chose qu'on devrait détruire. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'on devrait garder. Bonne ou mauvaise, c'est juste quelque chose qui est là et qui. Oui, mais ça peut inspirer d'autres personnes. Alors que vous débattez et discutez, vous entendez une voix derrière vous qui vous dit d'un ton hésitant. Vous êtes vivant ou vous êtes avec eux ? Tu vas fermer ta gueule ! Je lance ma bague. Je vais parler. Où est-ce que ça vient, cette voix ? Bah, de la cage, j'imagine, ouais. De la porte. Ok. Je suis toujours en arrière, moi. Je me rapproche un peu. Là. Que cette fois, je me fasse pas prendre comme une buse, je vais lancer Fallback Strategy. Rappelle-moi, qu'est-ce que ça fait ? C'est un sort qui fait que dans les 5 prochaines minutes, mon prochain jet, je peux relancer un jet d'attaque, combat maneuver check ou skill check. Ok, ça marche. Au fait, tout à l'heure, pendant qu'ils étaient, ils étaient en train d'inspecter, est-ce que je peux faire le heal ou Tu peux te faire un soin, oui, tu peux. Tu peux, oui. Alors, pour te faire un soin. Est-ce que je peux en même temps aussi essayer de faire la même chose sur Crimson ? Alors, juste pour information, pour faire. Alors, soin, tu peux le faire sur une créature qui est mourante. Dans ce cas-là, tu peux la stabiliser, ça c'est plutôt facile. Pour soigner des blessures assez graves. Blablabla. Ça te coûte 2 charges de ton kit de soigneur et il faut faire un 20 ou plus pour soigner au total.
Et ça te rend un point de vie par niveau. Donc la même chose que dormir en gros. C'est comme si tu dormais une nuit de sommeil complète. Et okay. si tu fais 25 ou plus, tu peux soigner encore plus. Je crois qu'il me reste 4 charges dans mon kit de soigneur. Attends, non, parce que j'ai utilisé un à l'extérieur sur Sarah. Il m'en reste 3. Donc. Ok. Ouais. Il faut un 20 ou plus. Ça va pas le faire. Ah ! T'as fait 20 ? Ouais. Ok, tu regagnes 4 points de vie dans ce cas-là. Oh, c'est déjà ça. Tu passes quelques minutes à te rafistoler, à t'assurer que les griffes du squelette ne s'infectent pas, etc., et qu'elles soient bien nettoyées. Et en quelques minutes, tu parviens à arrêter tous les saignements qui sont un peu superficiels, etc. Ok. Nice. Vous remarquez qu'au niveau de la porte, là, il y a un individu qui vous fixe, qui a l'air, comme je l'avais expliqué, qui a l'air d'avoir des doigts un peu potelés, qui a l'air d'avoir un peu de mal à se hisser au niveau de la fenêtre, et qui vous regarde et qui a l'air d'attendre une réponse. Mais t'es qui, toi ? Il jette un œil, il te voit, Sierra, et tu l'entends pousser un soupir de soulagement, et tu l'entends dire c'est bon, c'est des vivants. Et tu entends un vacarme derrière la porte, comme s'il déplaçait des objets assez lourds, et la porte s'ouvre. Ok, je garde ma dague dans ma main. Hein. Ah, en fait, j'ai ramassé mon arbalète que j'avais fait tomber. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Ok. J'ai récupéré les carreaux. On entend tous ces bruits, etc. Je vais lancer Guidance sur moi-même. Guidance. Ok, ça marche. C'est un petit bonus que tu peux avoir. Ok, et vous voyez derrière la porte, il y a 3 nains qui vous observent, qui ont l'air sales, qui ont l'air épuisés et très très nerveux, très très effrayés. Mais très soulagés de vous voir également. Qui êtes-vous ? Je suis Tadmol Bonboisson. Voici avec moi Gormit Cognutei et Mufelda Bottleforge, en pointant les deux à côté de lui. Est-ce que vous êtes là pour nous sauver ? Que faites-vous ici ? Vous êtes les employés. Non ! Que faites-vous ici ? On a été envoyé par une archéologue pour explorer le temple. Ça fait quelques semaines, quelques jours, c'est difficile à dire. Ah. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé bloqué par ces choses ? On était en train d'explorer et on s'est fait attaquer par un truc, on sait pas trop ce que c'était, on a commencé à s'enfuir. Et on s'est retrouvé dans cette salle, il y a plein de squelettes qui se sont relevés et on s'est barricadé dans cette salle comme on a pu. Et ça fait, je sais même pas combien de temps ça fait qu'on est ici, comme j'ai dit au moins plusieurs jours. Mais on a commencé à creuser un tunnel derrière, il pointe là-dessus, mais ça a pas donné grand chose à vrai dire. Des vrais nains. Question, vous avez perdu le sens du temps, d'après ce que je comprends, mais comment ça s'appelle les squelettes qui commençaient à se relever et tout, c'est à cause d'eux que vous vous êtes enfermé, c'est ça ? C'est ça, ouais, à cause d'eux et des autres saloperies qu'il y avait dans le temple. Mmh. Et ça fait un moment que vous êtes là alors. Bah, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Je sais pas depuis combien de temps on est là. Est-ce que c'est Tristan qui vous envoie ? Oui. je vais garder mon Morgenstern à portée de main. Est-ce qu'un de vous veut bien nous montrer son pouls ? Ils ont l'air un peu confus quand tu leur dis ça. Et
Ouais, bien sûr, allez-y. Et il te tend le bras et tu vois que de son autre main, il montre bien qu'elle est vide, etc. Il a l'air de se montrer aussi peu menaçant que possible. Et même s'il comprend pas tout à fait ce que tu veux, il comprend que tu lui fais pas confiance. Je fais signe à Amadeus de suivre. Fais-moi un jet de heal, s'il te plaît. Ah non, oui. Moi j'ai pas heal. Hein. Donc ça va être intéressant. Survival sinon ? Non. Non. 18. Bon. Tu parviens à trouver le pouls sans trop de difficulté, il est très faible. En t'approchant un peu, tu vois qu'ils sont vraiment très minces, que les nains sont d'habitude assez fiers, assez musclés, assez mastoc, et ils sont vraiment très amincés. Ça fait probablement plusieurs semaines qu'ils sont là. Il y avait des doigts dodus par contre. Mais comment ils ont survécu ? On va leur donner de l'eau. On va leur donner. On doit bien avoir une ou deux rations dans notre sac à dos. Tu remarques que dans le coin là-bas, ils ont une espèce de petite coupelle qui parvient à recueillir de l'eau l'humidité un peu du mur. Ils ont taillé un peu la roche pour que ça fasse une espèce de stalactite artificielle pour collecter l'eau et la condensation. Et à part ça, t'imagines qu'ils avaient quelques rations de base, mais. De ce que Tristan vous a dit, ça fait au moins deux ou trois semaines, voire plus, que l'expédition est partie. Ouais. Écoute, moi j'ai bien ma sac à dos avec moi, je vais sortir deux, trois rations et une outre pour leur donner de quoi. Quand il voit les rations, il a les yeux qui s'agrandissent, et avant même que tu aies pu prononcer un mot, ils te l'arrachent presque des mains en te disant merci, oh, merci beaucoup, et ils se mettent tous les trois à la dévorer goulûment. Et vous m'avez toujours pas répondu, par contre, c'est Tristan qui vous envoie ? C'est elle qui nous a demandé de venir explorer ici. Je sais pas si elle s'attendait à vous retrouver. Il fait une moue un peu. Comment dire ? Not surprised, not. C'est quoi ? Not surprised but disappointed ? Il fait ouais, je. Ça m'étonne qu'à moitié, à vrai dire. Elle vous a promis quoi en échange de votre exploration ? Juste un paiement, on était payé quelques pièces d'argent par jour. Payé à l'avance ou parce que. Oh. Un tiers en avance, elle reste une fois qu'on avait fini. Vous êtes fait avoir quoi. Qu'avez-vous trouvé ? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose tant que vous étiez ici ? À vrai dire, on a passé. On a surtout essayé de déblayer le chemin dans la première salle pour les quelques premiers jours, et dès qu'on est entré à l'intérieur, on s'est fait attaquer, on s'est fait séparer, etc. Est-ce que vous en avez trouvé d'autres ? On était venu avec plusieurs compagnons. Vous étiez combien ? Il y a quelqu'un. On a vu là-bas. Quelques nains dans la pièce principale, décédés. Ah bon ? Il y avait des nains ? Ah oui, vous avez vu deux cadavres de nains, je crois, dans la. Ah oui, ok. Mais ouais, vous avez trouvé quelques. Comme j'avais mentionné, vous avez trouvé quelques cadavres qui étaient un peu plus récents, mais rien de. On a trouvé quelques-uns de vos congénères, effectivement, oui. Ouais, lui c'était Bestad. J'imagine que les autres c'était Egnoud et Gomouk. C'est dommage, mais on s'y attendait un peu. Quand il s'arrête de parler, il y a le nain qui est derrière ici, qui s'approche de vous, il tient dans la main un parchemin, et il a l'air un peu paniqué, un peu plus nerveux que les autres, etc. Il fait je suis désolé de vous déranger avec ça, mais je pense que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Et il vous tend le contrat. Il fait j'ai signé ça, je sais pas trop pourquoi, j'ai entendu des voix qui me disaient que je devais le faire, j'ai cru que c'était une bonne idée, et je l'ai signé sans le dire, et pendant que j'étais coincé ici, je l'ai lu, et je... Est-ce que je suis maudit ? Bien joué, mon ami. Quand tu mourras, et ben ton corps fera... Ça est en elfique. Alors les parchemins, comme j'avais dit à Draximus, il y en a le premier qui l'a ouvert est en elfique, la plupart sont en elfique, mais il y en a dans un peu toutes les langues en fait. Vous en avez trouvé des en nain, en commun, etc. Ah bah oui, ils partent dans l'international évidemment. Vu que j'étais pas avec le reste du groupe quand ils ont découvert tout ça, je sais pas du tout de quoi ils parlent, moi ça me dit rien.
Il est traîné. Ce parchemin-là. Celui-là, il est en commun. Bon, ben, qu'est-ce qu'il dit? Il vous explique à peu près la même chose que ce que Draximus avait lu. Il explique que son corps va appartenir aux serviteurs de Actol. Et il a l'air un peu nerveux et c'est pas vrai. Hein. C'est juste un morceau de papier. En disant ça, il répète, j'ai essayé de l'arracher plus tôt et ça a pas marché. Il se passe rien quand j'essaie de le détruire. Eh ben, on va dire que t'as de la chance parce qu'il en reste qu'un, à ma connaissance, de serviteur d'Actol. Ah bon? Bah non, il en reste pas. Bah il reste une liche. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vraiment une liche d'Actol, tu penses? D'ailleurs, ce nom, ça me tue. Les opticiens, ouais. Actol, les nécromanciens. Ah, je me pose toujours des questions sur... Oh mon dieu, c'est une blague horrible, je suis désolé pour ça, mais je me pose des questions sur sa sexualité. Oh! Pourquoi? J'ai pas compris. Bi, Actol? Ah! Point, 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 point. J'ai honte. Voilà. Et tu as bien raison! Même moi, je l'aurais pas fait, bravo! Le nain. Vous regardez un nouveau, il fait, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ça? J'ai une femme et des enfants chez qui rentrer, je... Ah mais, vous allez être très bien, hein. C'est juste quand vous mourrez, votre corps appartiendra à Actol. Il est capable de se séparer du contrat? Il peut lâcher le contrat, etc. sans problème, il vous l'a donné, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il l'avait avec lui. De ce qu'on a pu comprendre, vous allez pouvoir vivre votre vie la manière dont vous le souhaitez, sans problème. C'est mais... votre mort qui sera un peu plus compliquée. Voilà. Donc, chacun ses problèmes. Allez. Alors, dans un sens, je suis d'accord, c'est un peu ton problème si t'as signé le contrat, mais c'est un contrat qui a clairement un lien magique avec... les serviteurs d'Actol. À notre connaissance, il en reste qu'un. Et je dirais que ce serait une bonne idée qu'on essaye de retrouver cette liche, un de ces quatre, puisque lier nos efforts, libérer, ça risque de nous retomber sur le bout du nez. Donc un contrat qui a un lien avec, possiblement avec elle, pas une mauvaise idée d'avoir pour la retrouver un jour. Et puis on peut aussi leur dire, écoutez. je sais pas si tu l'as dit à haute voix ça ou pas, donc nous pensons qu'il reste plus qu'un seul serviteur de ce culte, et si vous le souhaitez, vous pouvez passer votre vie à essayer de chasser cette créature, ou alors on peut lier nos forces pour essayer de la détruire. Mec, c'est un mineur, hein, je pense. Eh bah écoute, je m'en bats les reins, il a peut-être des amis qui sont combattants, et bah il a des dettes toute sa vie, j'en sais rien, il se débrouille s'il veut bien, survivre. Si un jour vous avez besoin de miner du charbon, ça peut être pas mal, hein, d'avoir un contact mineur. Mais quand on aura nos propres royaumes, hein, ça servira. Non, mais il peut toujours servir. Chier à canon, sinon, c'est toujours utile. Au pire, nous, on devient des servants d'Actol et on devient les dépositaires du contrat. Oui, alors là, je suis pas. Alors, je comprends encore moins pourquoi Crimson voudrait le faire. Je connais un grand pote qui va pas être content. J'essaie de prendre la température à Crimson pour voir si la goule a pas trop fait de dégâts, parce que là... Il va parler de réseau doré bientôt. Je me demande quel était l'alignement d'Actol. Ok, il va falloir que je trouve une solution à ça. Je comprenais, j'ai une femme et des enfants. J'ai peur que si je rentre chez eux et que quelque chose m'arrive, je préfère pas y penser. Oh, alors, s'il y a un truc sur lequel pour vous rassurer, c'est que tant que vous êtes vivant, pas de problème. Il te lance un regard un peu noir, pas sûr de savoir si tu te moques de lui ou si tu essaies de le rassurer. Et. Little bit Colombie. Mangez bio. Vivez longtemps. Il y a le premier nain qui s'appelait Ted Moll qui vous fait. Je suis désolé de vous interrompre, mais est-ce que vous pourrez nous escorter dehors? Non. Ça fait des semaines qu'on n'a pas vu la lumière du jour. J'ai hâte de quitter cet endroit.
Ouais, alors donnez-nous une seconde parce que c'est la dernière salle ici qu'on doit. Bien sûr, prenez votre temps, mais dès que vous pouvez. Reposez-vous, mangez, buvez, et nous on va regarder le reste. Et si vous avez trouvé quoi que ce soit, ben c'est le moment de nous le dire. Bien sûr, messieurs. Dans cette salle-là, il n'y avait pas grand-chose à vrai dire, à part le contrat qu'il a récupéré. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour le et il répond même pas, il finit même pas sa phrase, il pointe juste la gourde et les rations qu'il a à moitié dévorées déjà. Et ça fait longtemps que j'avais pas mangé quelque chose aussi bon. Les deux autres aussi ont mangé au fait parce que. Oui, ils se partagent les rations entre. Ok. À part ça, de ce que vous voyez dans la salle, il n'y a pas grand-chose. Il y a leurs affaires qui ont été éparpillées un peu partout. Ils ont mis des vêtements au sol pour faire un matelas très très basique. Ils ont essayé d'aménager un peu la pièce. Il y a des excréments dans un coin, etc. C'est pas top. Ils ont vécu dans des conditions très difficiles pendant quelques semaines, mais ils s'en sont sortis. Et comme je vous l'avais dit, ils ont commencé à creuser un tunnel là, et vous savez que la sortie est à encore des dizaines de mètres, et que s'ils ont fait ça en 2-3 semaines, il aurait fallu 6 mois peut-être pour arriver à la sortie. Oui, s'ils n'étaient pas arrivés, ils s'en seraient pas sortis, très clairement. Ils creusaient dans le roc, en gros. Ouais. Ah oui, ils ont creusé comme des bourrins, parce que c'était leur seule option, selon eux. Ok, mais alors, ce que j'aimerais faire maintenant, moi, c'est jeter un coup d'œil au reste de la pièce. Et avec détection de la magie. Ok, comme je t'ai expliqué, détection de la magie, ça te permet juste de distinguer les auras magiques de plus en plus faibles des contrats. À part ça, il n'y a rien de particulier. La seule chose qui était que vous avez qui était d'intérêt, c'était le livre qui était en bon état que Amadeus a récupéré. J'aimerais aussi regarder de plus près le contrat avec cette détection de la magie, voir s'il est plus actif que les autres. Le contrat qu'il t'a donné ? Ouais. Quand tu fais ta détection de la magie, tu remarques que le contrat est en effet actif. Quand tu regardes la bibliothèque, tu vois que certains contrats semblent avoir été signés, certains contrats sont vierges, et qu'il y a une aura magique légèrement différente pour ceux qui sont signés. On brûle tout. On peut garder le contrat de Bidule Chouette, si tu veux, pour traquer l'autre machin. Et on peut lui dire, tiens, tu nous dois la vie, donc du coup on garde ton contrat. Et on brûle tout le reste. Je pense pas que ce soit une bonne idée de tout brûler, surtout parce que c'est un bon moyen, si besoin, encore une fois, c'est un lien avec tous les servants d'Actol et les morts-vivants qu'ils ont. Si et c'est pour ça. On décide, garder ces contrats, c'est une bonne idée. On garde juste le contrat de machin, et le reste, on n'a pas besoin. Mais on n'a pas besoin de le détruire non plus. Non, parce qu'il l'a dit, il y a des contrats vierges et tout, ça va ramener d'autres personnes. Mais ça fait des centaines d'années. Ils sont tous morts, les signataires de ces contrats. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Il y a en effet des contrats encore vierges, et comme le nain vous l'indique, il a lui-même signé un des contrats, et t'as pu le constater, le contrat semble en effet toujours actif. C'est possible que si quelqu'un arrive ici et signe le contrat, que le contrat s'active à nous. Ok, pour les contrats vierges, dans ce cas-là, on peut les cramer. Mais les autres, je préférerais les garder. Ok. Les garder avec toi ou les garder ici ? C'est une bonne question. Et le tome que t'as trouvé, Amadeus, qu'est-ce que c'est ? C'est... Ça explique la vie de Actol. Plus des leçons et des enseignements. Ça parle pas de la magie, mais plus de... La base du culte d'Actol. Ça parle un peu de la magie, mais le livre en lui-même n'est pas magique. Mmh. En gros, Amadeus, quand tu le lis, t'as l'impression, ça te rappelle un peu, c'est une Bible en quelque sorte. C'est plus ou moins une Bible d'une religion bien particulière. Mais en gros, ça traite de la vie d'un individu, etc. Et ça en tire de leçons à chaque fois. C'est des paraboles, quoi. Je pense pas que ce culte devrait continuer à exister, on devrait supprimer cette œuvre. Qui es-tu pour dire que ça devrait exister ou pas ? Je suis un connard de semi-elfe qui en a rien à foutre. Pour rappel, Draximus, c'est une religion elfique. La plupart des serviteurs étaient des elfes et Actol était un elfe.
Ouais, mais c'est de la nécromancie, donc non. Bonne réponse. Je sais pas, tout le monde dit que c'est maléfique, on n'est pas sûr que l'autre il nous ait pas embobiné quand il nous a parlé, donc prends pas de risque et on supprime ça. On vit très bien sans. Pour rappel, c'était en partie ce que Tristan vous avait envoyé aller chercher. C'était aussi plus d'informations, etc. sur le lieu. Eh, écoute, on n'est pas obligé de lui dire qu'on l'a trouvé. Hein. Vous n'êtes pas obligé, je vous dis juste, je n'influe pas du tout votre décision. Je vous rappelle juste le terme du contrat. Mais vous pouvez bien entendu choisir de faire le livre si vous voulez. Parce que ce genre de bouquin, après, ça peut donner des idées à d'autres gens qui vont continuer ce genre de délire-là. Vous pouvez toujours le garder et décider ce que vous voulez en faire plus tard. Il y a pas de souci là. On a bien vu que les gens qui sont venus des morts, ils étaient pas super commodes non plus, hein. Je te rappelle que j'étais fait mordre, Crimson. Tu veux peut-être crever à cause de ça, donc non. Je veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui continuent à se faire embobiner là-dedans. On peut tout brûler, hein, c'est pas très grave. Bah, le problème reste celui que qu'avait mentionné Crimson. On peut tout brûler, mais si ça a une réaction en chaîne ou quoi que ce soit au niveau magique et qu'on n'est pas préparé, on est dans la merde. Et même si on... Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire juste, même si on essayait de faire en sorte qu'on soit pas sur les lieux au moment où ça brûle, ça veut pas dire que ça va pas nous retomber dessus. Hein. Ou qu'on va pas refaire la même connerie qu'avec le leaf, où on va relâcher quelque chose de beaucoup plus... Chat ! Trop mignon. Quelque chose de plus dangereux. Moi. Et... corrige-moi si je me trompe, mais Actol, c'est un dieu mineur. C'est même pas vraiment un dieu, c'est une... C'est un sage. Voilà, c'est un mortel qui a une vie exceptionnelle et qui s'est élevé au rang de quasi-divinité. Mais... C'est un culte, une secte à la Bourboile 2. Une secte de nécromancie à Rebûcher. Enfin, académique. Ah, quoi que... Enfin. Bon, bah ça vous personnellement, moi je vais tout cramer. Cramer les contrats qui ont pas été, qui sont pas, enfin les contrats vierges, parce que bah oui, on va éviter de tenter le diable, hein. Mais je vois pas de raison pour laquelle on devrait être ceux qui s'occupent du reste des contrats qui ont déjà été signés. Vous voulez les laisser là, les contrats qui ont été signés. Vous avez toujours le rapport à Tristan à faire, etc. Vous pouvez toujours en discuter avec Tristan après, et après ça va être à Tristan de décider. Selon le contrat, c'est Tristan qui récupère le temple, etc. et qui va décider de ce qu'elle juge le mieux pour en faire. Ouais, je crois qu'on est sorti. Voilà. Non, et puis on a trois témoins là, donc on peut pas lui raconter des gros bobards. Bah écoute, les témoins, on peut leur dire, écoute, on vous a sauvé la vie, mais on veut pas que ce qui vous a empoisonné, ce qui a tué vos camarades continue à errer dans le monde. Donc vous n'en parlez pas à Tristana ou je sais pas quoi là, et on est quitte. Vous entendez un raclement de gorge et Rage qui vous dit « Pour ce que ça vous concerne, je ne suis pas particulièrement pour les détruire. » Essaye de nous influencer, là. Mm-hmm. Bah non, c'est Rage. C'est Rage, c'est pas moi. Ouais. Et c'est tout. Non, on va voir l'autre et puis on va lui dire. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez détruire, je m'interposerai pas, mais... C'est pas une bonne idée. Bah, moi, je vais m'interposer. Hein. Non, mais c'est bon. Écoute, on a nos deux pratiquants magiques qui sont pas d'accord. Moi, je les suis. Hein.
Et juste pour garder l'impartialité, il y a le nain derrière qui a signé le contrat, qui regarde et qui dit « Cramez tout !» Vous êtes trop près de la situation, monsieur Togg, vous allez vous calmer. Oui, hein. McGee, mauvaise décision, là. Alors, juste pour rappel, les voix qu'il a mentionnées, vous les avez tous entendues aussi. Ok. Non, pas moi. Ok, bon, okay, on crame pas tout, on crame les vierges, on crame les contrats vierges. On crame les vierges. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus, juste pour qu'on avance. On crame les contrats vierges, et est-ce que tu peux dissimuler tous les autres contrats qu'on trouve qui ont été signés? Est-ce que quelqu'un qui est bon en dissimulation peut les dissimuler et on les montre pas à Tristana? Alors, moi, j'aimerais me souvenir, le parchemin qu'a Rage en ce moment avec le salon de thé, là. Vous pouvez rien ranger dedans. Genre de demi-plane, c'est ça ? Oui, mais vous pouvez rien ranger dedans. Dès que vous essayez de stocker quelque chose qui n'appartient pas à ce plan, quand vous refermez le parchemin, tout est expulsé. C'est pas un bag of holding. Non, c'est un peu tôt pour qu'on ait notre propre demi-plane. C'est dommage. c'est un tiers de plane. D'ailleurs, on peut y rester combien de temps dans ce truc ? J'ai oublié maintenant. Je sais plus, mais il faudra que je revérifie. Mais de ce que vous en avez vu, en tout cas, tant qu'il reste là, vous pouvez rester dedans. Parce que c'est un bon endroit pour passer la nuit, juste. Oui, mais c'est tout petit. Vous pouvez pas tenir, je crois qu'il fait 2 mètres carrés, quelque chose comme ça. Vous pouvez tenir à 1 ou 2 peut-être si vous vous serrez un peu dedans, mais c'est pas possible. Ça va. Ok, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez de ne pas de brûler que les parchemins vierges? Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Ouais. Ok. Tous les parchemins vierges, tous les contrats vierges qui ont des traces de magie. Ok. Vous. Et on dit bien au nain, on fait surtout n'en parler à personne. Vous nous devez la vie. Il t'interrompt, il fait, vous avez pas. Y a pas de souci là-dessus. J'ai pas particulièrement d'affinité avec cet endroit et ses parchemins. Non, mais même avec Tristan. Il approuve l'air grave, il fait je comprends. On n'en parlera pas. Merci. Il se tourne vers les deux autres, il fait tout était cramé quand on est arrivé, hein. Et les deux autres approuvent. Oui, oui. Il y en a un des deux qui dit assurez-vous quand même que les cendres soient froides quand on arrive. C'est pas faux. Non, on peut dire que c'est arrivé quand on est combattu, c'est Rage qui a foutu le feu avec ses conneries là. Ah bah oui, le premier sort, il avait foutu le feu à la table. C'est ça. Vous entassez tous les parchemins sur la table qui est déjà à moitié cramée et vous y mettez le feu. Les parchemins ont l'air de... Ça prend pas feu comme du papier, ça a tendance à résister un peu, mais au bout de quelques Est-ce minutes... Est-ce que ça crie Quand la table commence à vraiment prendre feu, etc., les parchemins finissent en effet par s'enflammer. Et il y a des espèces de petites explosions, des espèces de petits pop, comme s'il y avait plein de popcorn. Mais à part ça, rien de particulier. Il reste combien de parchemins signés? Il y en a peut-être 25, peut-être. Bon, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on les prend, on les dissimule et on les montre pas à Tristan? Oui, je suis d'accord. D'accord. Ok. Donc on collecte celui du nain, plus ceux qu'on trouve dans la pièce. Ok, vous voulez stocker... C'est des trucs trop dangereux pour laisser à qui... Vous les répartissez un petit peu pour éviter que tout soit au même endroit et que ce soit un peu trop visible, et vous parvenez à les dissimuler sans trop de difficulté. C'est des parchemins, je pense. On les met sous la tunique de Tiara et on dit à Tristan qu'elle a trop mangé. C'est ça. Pourquoi sous la tunique de celle qui est la plus fine et la plus petite du groupe? Pour l'effet comique, voyons. Ok, vous dissimulez tous les parchemins et vous êtes prêts à ressortir. Les nains ont très clairement hâte de revoir la lumière du jour. Ok. Quand vous passez devant la pièce principale où il y a le cadavre du Ezobok, le gros chien avec le crâne, il y a un des nains qui vous dit c'était pas là la première fois qu'on est passé, ça. Ouais, c'est une sale bête. il voulait pas jouer avec nous. Et il vous retrouvez à l'extérieur. Quand vous sortez, Tristan a l'air presque surprise de voir les trois nains avec vous. Elle fait, vous avez survécu.
C'est un miracle. Et le nain qui vous avait parlé vous dit ouais, c'est ça. Et il lui prête pas trop attention et il se dirige directement vers le, comment dire, vers les abords de la falaise pour respirer un grand bol d'air frais. Tous les trois. Elle se tourne vers vous, elle fait, c'est fini maintenant ? J'espère bien. On a fouillé toutes les pièces. Qu'il y a... Est-ce que il reste plus grand qu'est-ce chose. Que vous voulez lui dire alors du coup ? De ce que vous avez exploré, parce que pour l'instant, lui, il est pas. C'est à vous de me dire est-ce que vous lui dites ou pas. Vous pensez quoi ? On pourrait juste parler de la sexe sans rentrer trop dans les détails, sans on ne sait pas trop exactement de quoi ça en retrouve. On n'est pas obligé de parler du fait qu'on a vu le vieux dans sa cage là. On n'est pas obligé de lui expliquer tout ce qu'on a appris. Non, mais ce serait une bonne idée de lui dire que c'est un ancien temple d'un culte nécromancien. Ouais. Et que les servants de Pharasma semblent patrouiller par là très souvent. Mmh. Et ont tendance à pas être très regardants sur l'origine de la... Tu es dans un temple de nécromancien et ben tu es le problème et donc on va se charger de toi. C'est un peu l'idée. Ok, vous leur expliquez ça, elle fait ok, d'accord. Est-ce qu'on lui parle de la niche qui s'est évadée ? Non. 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 Ça fait pas partie du contrat. Ouais. Ok, on est d'accord. Et à moins que le phylactère soit dans le temple, ce qui serait très étonnant parce que sinon. C'est toi le facochet. Les servants de Pharasma l'auraient trouvé. Il n'y a plus de risque avec la liche en tout cas. Il y a beaucoup plus de risques avec les psychopompes qu'avec autre chose là-dedans. Okay. D'accord, et du coup vous avez tué tous les squelettes et tous les psychopompes. On a buté tout ce qui passait, à part les nains là. Bon, on a tué ce qu'on a vu. Hein. Après. Il devrait un morceau pour que ça pose plus de problèmes. Ouais, voilà. Elle lève un sourcil. Elle a l'impression. Vous avez l'impression qu'elle vous croit pas complètement. Elle fait. Je vais être honnête avec vous. Est-ce que le temple est vide et est-ce que c'est safe pour moi d'y aller maintenant? Avec toute honnêteté, je vous dis oui. Le temple est vide. Bah, le temple est vide maintenant. C'est tout ce qui compte pour moi. Il reste des pièges. Chut, c'est le problème. Il reste des pièges. Il y a la possibilité que les disciples de Pharasma reviennent. Ouais. Et maintenant ou plus tard, ça c'est votre problème. Mais ouais. Donc vous voyez comment vous en. Ok. Ça, hein. Les pièges, je peux m'en sortir. Tant que vous avez détruit, tant que vous avez tué le reste, c'est parfait. Il n'y a plus rien de vivant. Ni de mort vivant. Ok, faites-moi tous ni un jet de survivant. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Elle continue, elle vous fait ok, d'accord, soit. Dans ce cas-là, je veux juste. Ou psychologie. Perception, s'il vous plaît. Je veux juste refaire. Je vais avoir besoin de préparer une nouvelle expédition, histoire de m'assurer de tout nettoyer, de rendre tout ça proprement explorable. Draximus, pendant qu'elle parle, tu remarques du coin de l'œil un oiseau. Doré ? Un oiseau bleu ? Non, attends. Un oiseau blanc, un peu jaunâtre avec des reflets. Doré ! D'accord, je le vois. C'est le sur son épaule ou sur loin ? Non, 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 qui vole dans le ciel, qui a l'air de. Il a des patterns un peu étranges, c'est pour ça que tu le remarques, c'est qu'il a l'air de. Il a l'air de tourner autour de... Pas forcément autour de vous, mais dans les environs depuis un moment. Attends, parce que là, on est toujours derrière le force field ? Oui. Je suis le seul à le voir pour l'instant ? Est-ce que Mais oui, pour l'instant, c'est le seul à le voir. Mais les trois nains se sont avancés à l'extérieur. Je vais avoir besoin de préparer une nouvelle expédition. Je coupe et je fais... Il y a l'oiseau que Sarah a mentionné juste avant, juste là. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais juste là. Tu tournes vers le sol, tu fais l'oiseau. Non, je parle pas à vous, Tristana, je m'en fous de vous. Les copains. Oui, chérie. Enfin, les collègues. Là, il y a l'oiseau. Voilà, je vous donne cette information là et vous démerdez avec. Continuez, mécréante.
Elle ouvre la bouche comme pour parler et elle ne dit rien. Elle fixe l'oiseau. Elle fait. Il se rapproche, non? Et vous regardez l'oiseau. Les du pays dedans. Il a l'air de, en effet, de vous charger, tout simplement, et de voler à pleine vitesse dans votre direction. Vers nous ou vers les nains? C'est difficile à estimer, mais dans votre direction générale. Vous êtes à quelques mètres de distance. Ah, j'ai envie de l'attraper. Ok. Est-ce qu'on... Est-ce que... Attends, j'ai connaissance nature. Est-ce que je peux essayer d'identifier l'animal? Oh, c'est une très bonne idée. Fais-moi un jet de connaissance nature, s'il te plaît. Je l'ai aussi, est-ce que je peux le faire aussi? Bien sûr. C'est un oiseau de Stinfal. Ah, attendez. Oh, joli. Et ça, c'était la pizza. Un peu tard pour la pizza. Il est jamais trop tard. Qui es-tu pour juger? Je dis ça, je ne dis rien. Hein. Ah, on a perdu. Il est parti. Quoi? Ah, putain, désolé. J'ai figé. Ce cliffhanger. C'était un cliffhanger. Tout à fait. Tous les deux, Draximus et Amadeus, l'oiseau se rapproche et vous pouvez distinguer sans difficulté que c'est pas un animal. Il n'a pas de plumes, il n'a pas de... C'est pas un animal, c'est quelque chose qui a la forme d'un oiseau. Ok, je vais lancer Fallback Strategy parce que le précédent sort est... Enfin, je glisse un mot à mes collègues, c'est pas un animal. C'est pas un oiseau ordinaire. Il est maintenant à quelques... une dizaine de mètres de vous, maximum, et il vous charge, il vous fonce dessus à pleine vitesse. Yeah, fallback strategy et guidance, si j'ai le temps. C'est quoi fallback strategy encore? C'est... dans les 5 prochaines minutes, je peux relancer un jet. Ok, ça marche. J'ai toujours mon petit bouclier sur le bras, c'est ça? Je crois, oui, que tu as une targe, c'est possible, c'est toi de me dire. Je sais pas, je vais me tenir comme ça et faire STOP. Hop. Et moi, je t'appelle pas Captain America, que je sache. Non, mais voir si ça réagit quand je dis stop. Il est en plein vol, il est en pleine trajectoire, donc ne serait-ce que par son élan, il va pas pouvoir s'arrêter maintenant. Oui, mais il peut dévier. Vous vos armes, préparez-vous, lancez vos sorts, et l'oiseau ne s'arrête pas. Au dernier moment, vous l'évitez d'un pas, et il s'écrase au sol juste entre vous, à quelques centimètres de vous. Il s'écrase au sol et se fond dans une espèce de flaque blanc cassé, un peu jaunâtre. Un liquide un peu visqueux qui éclabousse un peu autour. Et ça forme une flaque au sol devant vous. Comment on dit? On fait pas d'omelette sans casser des oiseaux? Je me tourne vers tout le monde, les nains compris, Tristan et tout ça. Vous avez déjà vu un truc dans ce genre? Il y a les quatre nains hochent la tête, secouent la tête à unisson. Alors que vous fixez incrédule la tâche, la flaque, il y a la flaque commence à se déformer un peu. Comme un phénix. Vibrer légèrement et petit à petit il y a des formes qui s'élèvent de la flaque. Est-ce que je peux utiliser stuff pour essayer de me cacher la flaque? C'est de la cire? Ouais. Ça ressemble de me à... cacher derrière Murphy. Attends, j'ai pas entendu, c'est de la cire ou pas? Ça ressemble à de la cire. Ah, c'est l'autre Gogolito qui contrôle les golems de cire. Les golems de cire. Vous voyez petit à petit des formes qui s'élèvent, donc trois formes qui s'élèvent, un individu, la forme d'un individu grand au milieu et deux individus plus petits ou agenouillés sur les côtés. Et les formes se mettent à vibrer légèrement, il y a un vombrissement qui petit à petit se transforme en son et en voix que vous reconnaissez, qui vous dit « Quel déplaisir de vous revoir !» Et vous reconnaissez la voix de Suras, le golem de cire que vous avez tué quelques jours plus. Je sors le lance-un. Ouais, Siri, comment ça va? Et la suite dans le prochain épisode. Vous êtes
Vous êtes nos fanboys ou quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Disons qu'on a laissé les choses un peu inachevées depuis notre dernière rencontre. Oui, on vous a brûlé le... fesse. Oh, inachevé, inachevé, c'est... On a un peu brûlé la bougie par les deux bouts, mais non. J'aimerais... Elle était bonne, je suis... Elle était pas, elle était très bien. You're welcome. J'aimerais vous rencontrer à nouveau, si ça ne vous dérange pas, histoire de clarifier certains malentendus. C'est pas Tinder, on s'en fout, casse-toi. Tinder. Oh, joli. Est-ce que c'est une blague encore? Bah oui, l'allumette et tout. Ouais. Pas mal, pas mal. Est-ce que tu dis ça ou est-ce que c'est... Non, je pensais très fort. Si ce n'est pas trop dérangeant pour vous, j'aimerais vous inviter chez moi. C'est juste au sud de Brateon, à l'orée des falaises cicatrices. C'est un endroit que vous connaissez, vous avez déjà vu sur les cartes, etc., qui est pas très très loin d'ici. Pourquoi faire ? Comme je vous l'ai dit, il semblerait qu'il y a eu un malentendu et j'aimerais juste terminer certaines conversations et certains... On peut communiquer maintenant, tout de suite. Essayer de détruire le village était un malentendu. Non, mais on peut lui dire. On peut communiquer là, maintenant, tout de suite. Vous pouvez parler, communiquez maintenant. Bien sûr, mais c'est tellement dommage de communiquer par golem. C'est tellement dommage qu'on n'a pas envie de venir. Est-ce qu'il y aurait un... Plutôt que de venir comme un... Un endroit neutre. Voilà, comme un cheveu sur le golem, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans un endroit moyen, neutre? Un peu moyen, Fira. Ouais. Un endroit neutre, oui. Ah, Non, on va pas le laisser choisir non plus. On va dire, Tristan, connaissez-vous un endroit neutre? Il vous interrompt, il fait, non, mais je comprends, j'aurais dû anticiper que vous ne vouliez pas me rencontrer. Ah, bien sûr, j'ai anticipé que vous ne vouliez pas me rencontrer. Et il fait un mouvement en direction des deux silhouettes. Il dit, c'est pour ça que j'ai pris quelques garanties. Et vous voyez les deux silhouettes qui se tordent, qui ont l'air un peu de souffrir, et de... Vous les entendez respirer bruyamment et difficilement. Et vous entendez une voix, qui n'est pas celle de Suras, qui vous dit, ne venez pas, c'est un piège! Et il fait à nouveau un mouvement au niveau des deux silhouettes qui retombent en silence et immobiles. Il vous dit, au cas où vous n'auriez pas reconnu leur voix, il s'agit de la mère et du forgeron qui m'ont fait l'honneur d'être mes invités. Je crois que leur nom c'était Sylvia et Taz, quelque chose comme ça. J'espère que j'ai bien choisi. Il n'y avait que l'embarras du choix au village, vous comprenez. Je pense qu'ils aimeraient que vous veniez les voir également. Vous avez intérêt à leur faire aucun mal. Mec, t'as envie de mourir. Aucun mal, non, aucun mal, bien entendu. Tant que vous venez, aucun mal ne leur sera fait. À l'exception peut-être d'un petit dilemme. J'aurais besoin de votre aide, à vrai dire. Est-ce que l'un de vous serait particulièrement sage ou particulièrement apte à m'aider avec quelque chose? Sage, non. Non. Disons un dilemme moral que j'aimerais avec lequel j'aimerais de votre aide. Non. Juste non. Il sentait un peu de frustration dans sa voix. Il fait. Vous voyez, le problème, c'est que j'ai deux invités, c'est un peu trop, et malheureusement je n'ai pas les ressources pour les garder tous les deux. Bah, relâchez-la. Vas-y, ferme-la. il s'arrête de parler pendant un instant, et toute ironie et tout semblant de comédie de sa voix a disparu, et il vous dit, lequel voulez-vous sauver? Les deux. Ah, comprenez bien, j'aimerais pouvoir garder les deux, mais c'est un simple problème de ressources. Si on vient maintenant, pas besoin de problème, il n'y a pas de problème de ressources.
Il pousse un éclat de rire et fait « Ah, mais vous comprenez, il est bientôt midi. Je veux devoir les nourrir et je n'ai malheureusement qu'une... » Tu peux patienter quelques heures. Ok, on va faire très simple. On va venir et ils vont être là tous les deux. Et dans ce cas-là, on va avoir une discussion civilisée. Et si ils sont plus là quand on arrive, on va te cramer toi, celui qui t'a créé, ta famille, tous ceux avec qui t'as eu des contacts dans les dernières 10 années. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Et maintenant, on va faire... descend. On le crame. C'est quoi ton jeu? Un jeu d'intimidation? Ouais. Ok. Il pousse un grognement de frustration. Il fait... J'imagine que ce sera plus drôle si vous avez la surprise en arrivant. Et... mais on va te tuer ta mère à toi. C'est fort excitant, j'ai hâte de vous revoir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Dishonor on you, dishonor on your cow, dishonor on your family. Et à ces mots, les silhouettes s'immobilisent et petit à petit se mettent à fondre et à se résorber dans la flaque. Et le silence retombe sur la vallée et on va s'arrêter là pour ce soir.